Ok, eh bien écoutez, il est 10h17, on peut commencer le React. Messieurs, dames, je suis hype. Donc du coup, pour rester dans le thème de Apex qu'on a eu du coup hier, tout, avec tout l'événement, la revanche des PNJ, on va regarder une petite vidéo Apex, parce que je trouve ça cool, je trouve ça cohérent. Et puis j'ai jamais vu cette vidéo, donc let's go, elle m'a toujours intriguée. Donc c'est parti, c'est une vidéo du coup d'Ego, qui est sortie il y a un an, si vous voulez la regarder, c'est sur son compte. Qui s'appelle le sourdoué enragé d'Apex Legends. Voilà, c'est parti, messieurs, dames. Let's go! Every go! C'est la fin de Mario! À quand le One Woman Show feat Carambar? Je pense que je ferai un carton, en tout cas. Je ferai un carton. Vous êtes prêts? Vous êtes allés chercher vos trucs à manger, vos trucs à boire. 30 minutes de vidéo. C'est parti. Let's go! Apex Legends, c'est l'un des plus gros battle royale de la planète, venu concurrencer Fortnite dès sa sortie, et comme Fortnite, c'est un jeu qui, doté d'une scène compétitive développée, montre un visage complètement différent entre ses parties amatrices, avec des équipes qui meurent tôt sur une carte qui semble immense, et ses parties professionnelles dans lesquelles, à la fin... Bon, vous voyez quoi, difficile de respirer. Apex, c'est chaotique de manière différente de Fortnite, et c'est peut-être encore plus brutal. Là où, dans Fortnite, vous pouvez construire pour rejoindre la zone finale, vous fabriquez votre propre abri de manière à compenser l'aléatoire des dernières minutes de la... Oh, ça me fume parce que les gens qui ont jamais joué aux jeux vidéo, là, ils voient tout ça, ils sont en mode « Mais il y a tellement de trucs partout, pitié !» Et oui, du coup, je préviens, je vais sans doute des fois faire pause, sans doute parler... Et si vous voulez voir la vidéo d'une traite sans qu'il y ait jamais de pause, vous pouvez aller sur le compte directement de Ego, hein. C'est gratuit, ok? Nickel. La partie, dans Apex, tu vas juste courir mon gars, parce que t'as pas le choix en fait. Tu vas te réfugier derrière le moindre bout de mur pour pouvoir espérer esquiver les balles des 10 autres équipes qui te tirent dessus. Et je vous le dis, si vous ne connaissez pas Apex, vous ne comprenez pas encore à quel point il est difficile de manœuvrer une équipe de 3 joueurs lors de ces dernières minutes, mais vous comprendrez plus tard. Bref, pour pouvoir espérer survivre dans ce chaos, il faut, dans une équipe professionnelle d'Apex, ce qu'on appelle un IGL, un in-game leader, celui qui dirige quoi, celui qui donne les ordres, celui qui décide de chaque action dans chaque situation, C'est Juliette quoi, en gros, voilà, c'est Juliette Hartz, ok. Individu avec la tête sur les épaules, un professionnel au sang-froid, capable de dompter chaque montée d'adrénaline et de continuer à faire fonctionner sa tête même quand tout le pousse à s'en remettre complètement à son instinct et à tirer sur tout ce qui bouge. Et durant les quelques années d'existence d'Apex, s'est dégagé un nom. Celui qu'on considère comme le meilleur IGL de la planète, le meilleur leader d'équipe, voilà, Sweet Dreams. Lui, je l'adore. Il est calme, il ne s'énerve pas, il donne à ses coéquipiers, même dans des situations d'urgence extrême, des instructions absolument limpides. Accessoirement, c'est aussi l'un de mes streamers préférés. C'est pixelisé, hein. La vache, j'ai l'impression que c'est comme Overwatch, c'est difficile de stream ce jeu sans que ce soit genre full pixel tellement il y a d'informations à la seconde. Et il est drôle, vif, intelligent, avec un humour pince sans rire qui me correspond complètement. Bref, je suis amoureux. Et la vidéo ne parle pas de lui. En fait, quand je vous disais que Sweet était le meilleur IGL de la planète, je ne vous disais que la moitié de la vérité. Sweet, à vrai dire, il a parmi les IGL un grand rival, un autre professionnel américain qui lui aussi peut prétendre au statut de meilleur IGL de la planète. Et je peux vous le dire, cet autre gars, c'est l'inverse exact de Sweet. Like, what are you doing, just staring at the portal? How are you alive? Like, wait! Why do we keep getting it? You say you're above us, what the f does that mean? There's a team above us, of course, I didn't know they were f***ing right above our heads. Voilà, voilà. Lui, c'est Imperial Hal, le plus grand créateur de contenu d'Apex Legends, potentiellement le meilleur IGL de la planète, et celui qu'on considère comme le GOAT du jeu. Oui, oui, lui, là, c'est le numéro 1 all-time d'Apex, et je vais évidemment vous expliquer pourquoi, MDR. Juste après vous avoir présenté le sponsor de cette vidéo, Honkai Star Rail, la... C'était à l'époque où il n'y avait pas besoin de mettre collaboration commerciale. YouTube, voilà, vous pourrez noter disponibiliser ses capacités par ses captions dans l'explosion complètement inattendue du jeu, son éditeur gratuitement le jeu. Ok, Apex est sorti en février 2019, et devant l'explosion complètement inattendue du jeu, son éditeur va très vite décider d'y lancer des tournois pour voir les meilleurs joueurs du monde s'affronter au même endroit. La toute première LAN d'Apex se déroule quelques mois à peine plus tard, en août 2019, ce sont les XP Invitational à Minneapolis, et on y trouve 20 équipes, 5 qualifiées en ligne, et 15 invités pour voir qui, sur les premiers mois d'existence du jeu, se tient à son sommet. La réponse... TSM. Boy, oh boy, the aim looks beautiful. Imperial Hal finds two in front of him. He's gonna have the R99 shredding through the shield. Here comes the EVA Mike in it. It's gonna do what a rough engagement for T1 in that corner. Shot on white. There, Abrileli is out comes the Mastiff. There's no way you're gonna be able to deal with that one. R99 for too much longer. The Grim Reaper's coming for you, and there it is. The Mastiff around the corner looking to finish it off.
fait, pour moi, on peut pas se rendre compte à quel point c'est difficile quand t'as pas joué contre des gens qui savent vraiment cliquer, genre... Genre, c'est monumental. TSM, c'est trois Américains, dont deux premiers joueurs très solides mécaniquement, Al Braleli, 20 ans, dont on parlera moins dans cette vidéo, mais qui va nous accompagner quelques temps, Reps, 25 ans, un joueur qui s'intègre parfaitement dans le système bien huilé de TSM, et finalement, l'IGL, Imperial Hall, 21 ans, un joueur à la fois mécanique et intelligent. Il semble, dès le départ, intégrer la notion de rotation mieux que quiconque, c'est lui qui semble prendre les bonnes micro-décisions le plus rapidement possible, lui qui semble emmener son équipe au bon endroit au bon moment, lui qui sait quelle fight tenter, quelle position prendre, bref, voilà le gars qui semble observer la partie d'en haut. En étant capable de guider son équipe en bas et d'être l'un des meilleurs fragueurs de la scène compétitive d'Apex. Vous comprenez ça, c'est une équipe qui a du potentiel. Bon, en fait, évidemment, je vous ai dit qu'elle était le GOAT, alors vous vous doutez sûrement que ce n'est pas le seul tournoi qu'ils vont gagner. Le prochain se déroule à Cracovie, en Pologne, et TSM font du TSM. What the fuck? Non mais attends. Et c'est ça son sa vision là, attends. Attends, c'est vraiment blanc comme ça là? Attends, attends. Là, 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 t'es en train de me dire qu'il est en train de viser, genre. What the fuck? Oh là là. Oh, ça C'est quoi cette zone? Non mais... Pitié, genre. What? Back, to back, to back, to back, to back. Ça commence à faire beaucoup. Les numéros 1 mondiaux incontestés, ce sont ces trois-là, qui semblent avoir une avance considérable sur la méta du moment, absolument indétrônable au sommet du jeu. Et Al, lui, n'est pas seulement indétrônable au sommet d'Apex, mais au sommet du Twitch Apex. Et what? Quand tu es le meilleur joueur d'un des jeux les plus populaires de la planète, que tu streams tous les tournois auxquels tu participes, les tournois d'ailleurs que tu gagnes les uns à la suite des autres, ce que ça donne, c'est un stream avec une moyenne à plusieurs dizaines de milliers de viewers. Il devient franchement célèbre, les sommes d'argent qu'il engrange sont absolument faramineuses, bref, on est en 2020, et la vie est belle. Et puis, le prochain tournoi auquel il participe... 2020 ? Ah ouais ? Il y avait tout ça en 2020 ? C'est un truc de fou, hein. Je m'en rends pas compte. 2020, qu'est-ce que je foutais ? Ah, mais c'était Covid. C'était Covid, ouais, j'étais sur Overwatch, ok. Putain, je savais pas. Il termine deuxième. Sur un Battle Royale, deuxième, ah ça ouais reste monstrueux, alors pas de problème. Et puis le prochain, il termine deuxième aussi. Bon, toujours excellent. Et celui qui suit, il finisse 25e. Ah, ok. Bon, là, je dois vous avouer, ça commence à faire mal. Et bon, là, évidemment, c'est juste une contre-performance. Ce n'est pas que nos joueurs ont perdu leur niveau. D'ailleurs, les prochains gros tournois auxquels ils participent, ils font quand même des podiums. Juste, pas de première place. Parce que la méta change, déjà. Et aussi parce que quand tu es le meilleur longtemps, et qu'en plus de ça, tu streams tous tes tournois, les autres joueurs professionnels vont nécessairement finir par apprendre. Et c'est ce qui arrive. L'avance considérable qu'avait TSM sur le reste de la scène n'est plus. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul problème. Je vous ai montré au début de la vidéo une petite compilation de Al qui criait, et il vous faut bien comprendre que ce n'était pas des extraits difficiles à trouver. Il y a sur YouTube des dizaines de vidéos qui montrent Al en train de rager, et si c'est devenu un trait de caractère qui amuse les spectateurs, il faut bien comprendre que ça arrive tout le temps, et que Al est souvent imbuvable avec ses coéquipiers. Il est régulièrement acide, accusateur, incapable de comprendre comment ses deux mates peuvent ne pas exécuter à la perfection chaque action qu'il leur demande. Et au bout d'un moment, ça craque. En octobre 2020, Al Braleli... Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon après, je pense qu'ils se sont fait de la thune, hein. Je sais pas, c'était quoi les échelles de thunes des trucs? Incroyable. Il quitte TSM et quitte en fait Apex tout court. Dans son tweet longueur, il remercie ceux qu'il aime, les amis qu'il s'est fait sur le jeu, citant quelques gros noms comme Reps, son ancien coéquipier, mais pas 100 euros, je pense.
C'est pas mal. Et le reste de la scène pro, en plus de complètement comprendre la décision d'Albrelli, commence à sérieusement remettre en question les méthodes de Hal. Faut-il vraiment être imbuvable pour emmener son équipe au sommet du jeu? Là, visiblement, ça ne fonctionne plus comme avant, et pourtant Hal continue à hurler sur ses coéquipiers. La méthode est-elle vraiment si efficace que ça? Et surtout, est-ce vraiment une méthode ou juste un sérieux défaut de caractère de l'américain? Qui sait? Dans l'équipe, en tout cas, ce n'est pas la question qu'on se pose le plus. TSM est concentré sur le recrutement d'un joueur qui va les faire rentrer un peu plus dans les clous de ce qui se fait à l'époque en termes de composition d'équipe. Un fragger, un joueur généralement manette, dont le rôle est d'exterminer, SMG en main, tous les adversaires qui se trouvent sur son chemin. Et celui qu'ils choisissent, ce n'est ni plus ni moins que la légende d'Halo venue ravager les terres d'Apex, Snipedown, qui en combat est effectivement monstrueux et qui parfois a même du mal à se retenir de sauter sur tout ce qui bouge. Snipe, c'est un gars que j'aime beaucoup et comme tous les gars que j'aime beaucoup, cette vidéo ne parle pas de lui. Parce qu'avec lui, les résultats ne bougeront pas plus que ça, ils feront en 2021 quelques places intéressantes, mais rien d'exceptionnel non plus. Et venu décembre 2021, sort enfin Halo Infinite, le nouvel opus de la série de jeux sur laquelle Snipe s'est fait un nom et sur lequel notre américain va d'ailleurs décider de repartir. Ce qui laisse un trou. On a, en premier, notre joueur support, toujours clavier-souris, parfaitement intégré dans le système de Hal. On a, en deuxième, notre IGL, peut-être bien le meilleur leader in-game de l'histoire d'Apex, et il nous manque un fragger. Et celui que les deux membres de TSM vont choisir, c'est une sorte de bébé Snipedown, l'un des meilleurs pros manettes d'Amérique du Nord, le joueur de 19 ans, Verhulst. Et après quelques semaines d'entraînement, en fait un mois seulement après le recrutement de Verhulst, durant la finale, notamment streamée par Hal, l'un des plus gros tournois nord-américains de la saison 2021-2022, après des mois de résultats décevants et de critiques permanentes, il se passe ça. Push, push, push! I locked one! Nice! I'm popping south! I'm going in! Push the bubble! Nice! Vous entendez? Ça, ce sont les voix de types qui ont dominé un jeu pendant des mois, remportant tous les tournois majeurs possibles dès le début, et puis, surtout, qui n'avaient plus remporté d'ALGS depuis plus d'un an. Cible de critiques incessantes remettant en cause le leadership de Hal, et que ces critiques aient lieu d'être ou non, une chose est sûre, nos trois gars sont contents. Parce que, je vous le dis, je n'avais jamais entendu Hal hurler comme ça. Cette victoire, elle était importante. Bon allez, on s'en met un coup. Bon bref, l'équipe est solide, mais ça c'était juste un gros tournoi officiel nord-américain. TSM est loin d'être sacrée meilleure équipe du monde, comme ils ont pu l'être quelques temps plus tôt. Et d'ailleurs, les tournois internationaux qui vont suivre vont le confirmer. Avec 2 septièmes places face aux équipes du monde entier, TSM n'est toujours pas au sommet. Et puis, arrive la saison 2022-2023, une toute nouvelle saison, plusieurs millions de dollars. 2022-2023? Mais genre, c'est vraiment récent en fait. What? Ouais, après je comprends, crier sur les gens... Ça porte débat, ouais. À la clé, avec 2 gros tournois internationaux et puis un championnat du monde. Je vous emmène au tout premier de ces tournois, les Split One Playoffs, c'est là que vont se dérouler les événements de notre vidéo. On est le 2 février 2023, à Londres, à la Copperbox Arena. Ici, 40 équipes, constituées de 3 joueurs chacune, venues du monde entier. On y trouve Dark Zero, les champions du monde en titre, 2 grosses équipes européennes, comme Alliance ou Ascend, de tout aussi grosses équipes américaines, comme NRG, avec Sweet Dreams en IGL, et bien entendu TSM, une équipe un peu différente. Hal, déjà, a décidé de changer de périphérique, de passer du clavier-souris, qui offre une grande liberté de mouvement, à la manette qui offre une visée à courte et moyenne distance absolument monstrueuse. Secondement, l'équipe a embarqué un nouveau coach analyste, Raven, qui est là pour ne pas laisser à Hal seul la charge de l'analyse et qui peut guider et corriger l'équipe entre les games. Bref, après ces changements, grosse question, quel sera leur niveau? Sur Apex, les gros tournois commencent par des phases de groupe, on répartit dans 4 groupes différents les 40 équipes du tournoi. On mélange ensuite les groupes, le but du jeu c'est que tout le monde affronte tout le monde pour un total de 18 parties. À l'issue de celle-ci, on compte les points, basés sur les placements et les éliminations, et les 20 meilleures équipes passent dans le winner bracket. C'est un truc de ouf le setup, vous avez vu, ils ont chaque équipe a un petit box et tout, le truc de ouf. Ah ouais, c'est un jeu récent, ouais, mais je pensais que ça existe plus les combats comme ça avec tout plein d'équipes, parce que 2023 c'était vraiment genre l'année dernière quoi. Elle, à nouveau, elle s'affronte pour accéder au bracket final qui permettra de déterminer le vainqueur de la LAN. Il existe aussi des loser brackets qui permettent à ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier initialement de rejoindre elle aussi le bracket final, mais ce n'est ici pas très intéressant, et que vous ayez compris le système ou non, peu importe. Retenez juste qu'il y a 3 grosses étapes, et le but, quoi qu'il arrive, c'est de remporter chaque partie. C'est plus clair comme ça. Bon, allez, on peut commencer. Première phase sur 3, donc la phase de groupe. Et vous savez quoi, plutôt que de vous expliquer ce qui se passe pour TSM lors de ces 18 games, je vais plutôt vous montrer. TSM, they gotta start watching out, or else this fight is just taking way too long. They're getting the trade after those 2 cracks though. They need to be able to find a full ascended in.
and Verhulst is going to call it. He beats one. Verhulst single-handedly knocks one. Can he get the double? Yes, he does. Verhulst going for the triple kill to kick off the ALGS playoffs in London. Welcome to the GG7 out here. Verhulst with a hip flare shot. He's looking to take out Alliance, and Alliance is the first one to go down. Perfect high ground. Immediately, the flank's going to come through. The G7 scout close range. Going to connect. TSM, Verhulst up in a 1v2. Oh, he's a little low health out here. He managed to get the one knock. Zone is closing. Decisions have to be made. The knockdown shield can be played. Verhulst! Verhulst on top! Two squads out at the hands of TSM! We wanted to contest! He's low! I mean, Bagel is one! Dead! One more! I gotta reload, Evan! 90, Burp, Roddy, Burp! Nice, what? Ils font tellement de kills pour 14 squads left, putain, c'est un truc de ouf. Salut Babex. 18 games, c'est énorme de ouf. Ils font une colonie de vacances. Bon, ça, c'est TSM en game. Vous voyez que ça fait très mal. Tellement mal en fait que sur les 40 équipes qualifiées au tournoi, ils finissent à la première place des phases de groupe. Et tenez, avant de passer à la suite, il faut que je vous explique quelque chose. Je ne pouvais pas le faire pendant le combat, vous m'excuserez, il y avait de la musique épique et des casteurs qui hurlaient, je fais de mon mieux, d'accord? Ok, on revient au début, voilà, là c'est le tout premier combat que je vous ai montré. TSM ici affronte Alliance, juste là, l'une des meilleures équipes européennes. Et sur Apex, quand deux équipes s'affrontent, il faut que vous compreniez qu'elles ne cherchent pas juste à s'éliminer. Elles cherchent à s'éliminer le plus vite possible, parce que les tirs, les grenades, les ults, tout ça, ça fait beaucoup de bruit et ça provoque généralement ce qu'on appelle une third party, une troisième équipe qui sait qu'en arrivant au bon moment, elle n'aurait pas beaucoup de mal à faire tomber les membres blessés des équipes qui s'affrontent. Pour tous les combats que vous voyez, dites-vous que dans les têtes des joueurs, il y a cette pression supplémentaire de savoir qu'une autre équipe pourrait arriver à n'importe quel moment pour achever les vainqueurs blessés. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. TSM arrive tout juste à faire tomber Alliance, qu'une troisième équipe, Flora, débarque comme des fleurs pour terminer le travail. Et vous voyez que Reps tombe immédiatement, ce qui veut dire que les deux joueurs restants de TSM doivent affronter trois joueurs en pleine vie. C'est pour ça que les casteurs s'emballent quand Verhulst fait ses kills. Faire tomber une équipe qui vient pour third party, surtout en 2v3, c'est de l'excellent travail. Bref, ça nous donne donc en face. Ah ouais, putain, trop stylé. Moi, c'est ce que j'appelle sandwich perso. J'appelle ça se faire sandwich. Mais bon. Oh, c'est presque pareil. Putain, donc ils se sont pas fait sandwich, incroyable. Le groupe, c'est une première place pour TSM. NRG, dirigé par Suite, ne sont d'ailleurs pas bien loin derrière, à la troisième place. Ceci dit, sur Apex, que vous finissiez premier ou 20e de la phase de groupe, ça ne change absolument rien. Vous avez, comme tout le monde, gagné votre ticket pour la deuxième étape sur 3, le winner bracket. Sur lequel, d'ailleurs, on ne va pas trop s'attarder. Si c'est ici le top 10 qui passe directement au bracket final, TSM s'en sortent correctement, avec une 8e place, sans aucune fulgurance, se contentant simplement de faire des classements corrects à chaque game. Une 8e place ici, ça veut dire 3 points d'avance pour le bracket final, ce qui est correct, mais pas exceptionnel, en plus de potentiellement laisser planer le doute sur les capacités de l'équipe. Et figurez-vous d'ailleurs qu'on trouve, à la première place du winner bracket, NRG, qui malgré 2 19e places sur 6 et aucune victoire, font une première partie à 11 kills, une deuxième à 13 kills et une sixième à 16 kills. 16 kills sur une partie à 60 joueurs, ça fait un quart des joueurs éliminés par une seule équipe. Autant vous dire que, non content d'avoir le cerveau et le sang-froid de Sweet Dreams, les 3 joueurs d'NRG ont l'air très éveillés en fight, récupérant d'ailleurs, grâce à leur position, 10 points d'avance sur la finale. Ça fait peur, et pourtant personne n'a vraiment le temps d'avoir peur. La troisième étape est déjà là, la finale, dans laquelle on trouve les 10 équipes qualifiées lors du... T'imagines, on fait une vidéo sur toi comme ça. Stylé, hein. Stylé. Qui n'aura pas ce niveau. Franchement, le Coquette Man, je vois pas ce qui te fait dire ça, parce que j'ai ce level-là dans 2 semaines, là. Winner bracket. C'est ça qui est frustrant avec Apex. Ouais, bah c'est le BR, hein. C'est le BR, c'est ça qui est compliqué. Salut Siwa, salut Tommy. 10 autres. On est en train de react à la vidéo de Ego, le surdoué enragé d'Apex, enragé par... C'est intéressant, c'est stylé. Équipes qui ont réussi à remonter du loser bracket. Et il y a énormément de grosses équipes qui peuvent prétendre à la première place. Dark Zero, Alliance, Ascend, NRG, TSM. Et d'ailleurs, la grande finale se déroule de manière un peu particulière. Pour arracher la première place, il ne faut pas seulement dépasser un seuil de points, ce qui pourrait, dans beaucoup de cas de figure, nous donner des parties finales très décevantes, avec une équipe remportant le trophée en finissant 15e sur la dernière game. Non, ici, il faut réussir à atteindre le seuil des 50 points, grâce au kill et au placement, et ensuite terminer premier. Ce qui offre toujours un sacré spectacle, l'équipe qui gagne la game gagnant aussi le tournoi. Et comme
comme nous sommes dans un battle royale, et comme il n'est jamais possible de savoir que l'on va gagner une partie, le but c'est d'atteindre les 50 points avant les autres, avec assez d'avance pour pouvoir essayer de décrocher la première place plusieurs fois de suite sans qu'une autre équipe le puisse. Et terminer premier dans une partie d'Apex c'est extrêmement compliqué, surtout quand les autres équipes savent que vous pouvez arracher la victoire, ce qui provoque un focus difficile à encaisser, tellement difficile d'ailleurs que généralement, une équipe qui atteint les 50 points ne fait quasiment jamais premier directement. Les vraies opportunités se décrochent surtout quand plusieurs équipes peuvent remporter la partie, et que le seul objectif ne devient plus d'éviter la défaite, mais de chercher la victoire. Il est 13h20 à Londres, et après plusieurs jours de compétition, la finale peut enfin commencer. La première partie est colossale pour TSM. Ils font une troisième place avec 14 kills, ce qui leur donne déjà 24 points, presque la moitié est requise pour passer en match point. Mais les suivantes se passent nettement moins bien, avec les trois parties qui suivent, ils ne récoltent que 11 points supplémentaires, ce qui les amène à 35. Et si TSM commence à traîner, ce n'est pas le cas de tout le monde. NRG, de leur côté, avec trois premières parties correctes mais qui ne sont pas tout à fait assez, décide, lors de la quatrième, de passer au niveau supérieur. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais ce mec? Là, ce que vient de décrocher... J'aimais ce mec. J'adore. Comment tu focuses une équipe sur Apex, tu vois les pseudo-ennemis? Est-ce que tu vois les pseudo-ennemis? Non. C'est vrai. Mais peut-être que tu reconnais le perso et le skin, tu vois, je sais pas. Tu vois les hits? Tu vois les pseudos quand tu hits? Sur les habitudes de spawn. Tu entends, tu vois et entends que tu touches. Maintenant oui, avant non. Ok. Chez NRG, ce n'est pas seulement un top 1, c'est aussi leur ticket vers une potentielle victoire. Ils viennent de dépasser les 50 points. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils peuvent gagner l'un des trois plus gros tournois de l'année et les 300 000 dollars qui vont avec dès la prochaine partie. Sauf qu'évidemment, tout le monde est conscient qu'NRG peut gagner et personne ne veut que ça arrive. Et ce que ça provoque lors de la cinquième partie, c'est une mort à la 8ème place. TSM, par contre... And all of a sudden, this means so much more to the surrounding teams. TSM fans explode, not only because TSM are performing well, but because it means we're guaranteed another game. Here comes Verhulst, shredding with the R9, need some assistance to kill, then we're on match point. Oh, and Hal gets the kill! Hal gets the kill! Needs to be secure, more damage being done. Set. Vizar Swarm goes in as well, it's all up to Verhulst and Imperial Hal as a duo. Là, je peux vous le dire, les 3 joueurs de TSM n'en ont absolument rien à faire d'avoir été éliminés avant le top 1. Leur deuxième place et leurs 9 kills leur offrent assez de points pour franchir la barrière du match point. Maintenant, eux aussi, comme NRG, ne sont plus qu'à un top 1 de la victoire. Game 6. La partie progresse tranquillement, il n'y a pour le moment... Parce que s'ils gagnent, s'ils font top 1, ils gagnent le tournoi? Je crois que c'est ça qu'il a expliqué. J'ai cru que ça allait les conduire à une troisième phase. Non. Oui. Ouais. C'est ça. Si ils sont en match point. Top 1, c'est que les 50. Ok. 50 points avant. Ok. Ah. Ok. Il manque deux équipes capables de remporter la victoire. Et figurez-vous que sur 15 équipes encore en vie, les trois joueurs d'énergie dans la zone cherchent un bâtiment dans lequel se réfugier et tombent sur
TSM. Oh non. Très rapidement, on arrive à un 1v1 et Reps, sachant qu'il fait face à Gildersons, l'équivalent de Verhulst chez NRG, l'un des meilleurs joueurs 1v1 de la planète, Reps, donc, décide plutôt de fuir. Gildersons, de son côté, doit subir une sorte partie de Moist et arrive miraculeusement à leur échapper. Reps, lui, caché sous un bâtiment, va se faire achever par Moist, tandis que Guild, appliquant la même tactique, prie pour ne pas être trouvé. Plus tard dans la partie, alors que les équipes restantes sont en train de s'entre-déchirer, Gildersons décide de sortir de son trou et de participer aux festivités, sans trop de réussite. Il ne reste maintenant plus que Ascend, l'une des meilleures équipes européennes qui se... Attends, mais du coup, TSM, il est mort ? Garde ses trois joueurs, avec deux autres équipes en solo de l'autre côté, et Juzna, qui prient tous les deux pour pouvoir profiter d'une opportunité et miraculeusement saisir un top 1. Bon, malheureusement, et de manière assez prévisible, ça se règle en 1v1 entre Juzna et Gildersons, avec une victoire de ce dernier, et derrière, un nettoyage tranquille de Hassen, qui vient prendre son top 1, et qui rentre d'ailleurs à son tour en match point. La septième game n'est pas particulièrement... Ah, match point, ok, ok. Palpitante, les trois équipes qui peuvent gagner, TSM, NRG et Ascend, meurent respectivement en 13e, 12e et 10e position, ce qui laisse la place en finale à Element 6, une équipe européenne qui jusque-là avait beaucoup de mal et qui arrive à décrocher le top 1, et surtout X7, l'une des meilleures équipes américaines qui arrive à prendre une deuxième place, ce qui les amène, eux aussi, en statut de match point. Et 4, ça commence à faire beaucoup parce que là, ce sont 4 excellentes équipes, très clairement des équipes qui, dès le départ, ne luttaient pas pour atteindre la grande finale, mais pour décrocher la victoire. À 17h05, la 8e partie se lance. À part Ascend, assez éloigné, 3 des 4 équipes en match point sont... Ah, attends, TSM là-haut, NRG, ok, X7, ok, et... Proche de la bordure de la zone, mais... Ok, et les derniers... Ah oui, seul X7 s'y trouve déjà. TSM vont décider de faire leur rotation quasiment immédiatement jusqu'à la zone, en passant par le nord. Ils vont s'envoler grâce à l'une des capacités de Verhulst et se laisser planer jusqu'à Thunderwatch, un bâtiment de taille moyenne sur lequel ils comptaient prendre la hauteur, mais sur le toit duquel ils voient déjà une équipe installée. Al va immédiatement prendre la décision d'occuper l'intérieur du bâtiment. Même si ce n'était pas tout ce qu'espérait TSM, leur rotation rapide leur a permis de prendre de vitesse X7, qui, stationné non loin, aurait aussi pu prendre Thunderwatch. Juste à côté, on trouve l'équipe qui occupe l'autre moitié du bâtiment et que Al a vu sur le toit quand il descendait, Onyx, l'équipe australienne qui a remporté la 5e partie. Eh, faut suivre, hein. Il en dit des mots, hein. Trois joueurs qui vont jauger TSM pendant qu'on a pu prendre Thunderwatch. Juste à côté, on trouve l'équipe qui occupe l'autre moitié du bâtiment et que Al a vu sur le toit quand il descendait, Onyx, l'équipe australienne qui a remporté la 5e partie, avec trois joueurs qui vont jauger TSM pendant quelques minutes sans franchement engager le combat. Quelques secondes plus tard arrivent les trois joueurs de Moist qui, eux, vont décider, par dépit, voyant que le bâtiment est déjà occupé, de prendre le low ground, de descendre sous tout le monde, une zone très exposée, extrêmement risquée, tellement risquée à vrai dire qu'ils décident de partir juste après l'arrivée d'une nouvelle équipe, X7, l'une des quatre équipes en match point qui viennent de prendre la hauteur et qui regarde très attentivement ce que font Moist et toutes les autres équipes d'ailleurs. Ça commence à faire du monde sur ce bâtiment et la situation ne pourrait pas être plus tendue. Je vous ai déjà parlé du third party et c'est ici aussi le risque. Tenter d'engager... Oh, mais attends, mais il y a 4 équipes au même endroit là ? What ? J'ai le combat sur une équipe qui a l'air en moins bonne posture déclencherait immédiatement et obligatoirement une third party. X7 continue à focus Moist qui, d'ailleurs, dans une position précaire, se font tirer dessus de l'autre côté aussi, ce qui va les forcer à partir. Oh, Zarya ! Putain, le gun en... Ah oui, c'est cette arme-là. Ok. Enfin, le sniper Zarya, excellent. Après quelques temps, c'est l'équipe Dark Zero qui fait ses rotations jusqu'à Thunderwatch et qui décide à leur tour, par dépit, d'occuper la zone sous... Oh, mais tu te rends compte ? 1, 2, 3. Ils sont tellement... Serré, genre. Tout le bâtiment. TSM vont les voir arriver et commencent, toujours prudemment, à leur tirer dessus, assez pour les faire se soigner en boucle en utilisant leur réserve de soins, juste assez aussi pour leur faire comprendre que leur position est très précaire. TSM, ceci dit, évidemment, ne pousse pas plus que ça. Ils savent qu'en s'exposant trop, ils ont deux équipes pour venir les terminer. Malgré ces menaces, Al va réussir à faire tomber l'un des membres de Dark Zero, poussant les deux autres à prendre la fuite. Ceci dit, la situation n'est pas dorée non plus pour TSM. Al commence à se douter que la victoire ne sera pas facile en restant à l'intérieur du bâtiment. Le problème, X7 est au sommet, et ils ne peuvent pas prendre le fight sans déclencher une sorte partie. C'est compliqué. Plus loin, les combats font rage, les équipes en match point cherchent simplement à bien se positionner pour avoir une chance lors du combat final, et les autres n'hésitent pas à prendre des fights, désireux d'accumuler des points. NRG, de leur côté, reste en bordure de zone. Dans leur position, ils veulent arriver tard, débarquer quand les combats seront déjà lancés, et nettoyer les survivants. Ascend, eux, sont placés très proches de Thunderwatch, là où sont installés TSM et X7, mais dans une position très précaire. Ils sont exposés, à peine cachés par un rocher, entourés d'équipes en hauteur, ce qui provoque... Non mais tu te rends compte le screen là, non mais oh, c'est la fête. Il y a une au-dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 équipes là, what?
inévitablement des tirs incessants qui doivent encaisser en permanence et des réanimations de fluidité les unes à la suite des autres. L'un des trois joueurs finit même par être achevé, ce qui laisse Ascend avec deux joueurs seulement. Dans cette position, pour eux, il faudrait un miracle pour ne serait-ce que tenir 5 minutes supplémentaires et encore plus pour gagner. NRG, quant à eux, décident de s'éloigner de la bordure et prennent la décision de partir sur le seul gros bâtiment de la zone, Thunderwatch. Ils se font canarder dans les airs, obligés de faire des gauches-droites pour esquiver les balles, et Sweet décide finalement de prendre le dessous du bâtiment, comme toutes les équipes venues avant lui, un endroit toujours extrêmement risqué et même encore plus qu'avant. Là, il faut rester extrêmement vigilant et scanner chaque côté. Ils savent qu'à chaque instant, une équipe peut tomber et prendre le combat. Là, sur 15 équipes encore en vie, on en a 3 en match point qui occupent le même bâtiment, et la quatrième à quelques mètres à peine derrière leur rocher. La situation ne pourrait pas être plus tendue, et tout le monde s'attend à ce qu'elle explose d'un moment à un autre. Ah ouais. Et pendant quelques temps, ça se regarde. Les joueurs observent, tentent quelques tirs sans jamais vraiment s'engager. Et puis, tout d'un coup, ça s'active. Alors que TSM se font push par l'une de leurs portes, NRG, complètement exposé, se voit agressé par Fnatic, qui veulent visiblement prendre leur spot. The other team backs off. Meanwhile, NRG are down to two. NRG down to two, and it's Fnatic who are having an influence now. Fnatic are jumping on them. Gilderson's down as well. It's all up to Nathan. He's got a peacekeeper, but NRG are out. Voilà les Américains éliminés en 14e place. Ils ne sont maintenant plus que 3 à pouvoir prendre le tournoi. TSM, comme le veut la tradition, partent tirer sur les nouveaux occupants du low ground, leur faisant à leur tour comprendre que leur position est très précaire. Ceci dit, nos trois joueurs n'ont pas besoin de kill, Al ne lancera un assaut frontal que si c'est absolument nécessaire. Son plan de jeu, pour le moment, est très simple, laisser les autres équipes s'exterminer et prendre le toit quand ils en auront la possibilité. Alors, pour le moment, ils se contentent d'observer. Ascend, de leur côté, pendant qu'on ne les regardait pas, ont miraculeusement réussi à faire... Ouais, c'est le règle du tournoi d'hier, ouais. Exactement. En fait, tu vois, la team TSM, là, bah, c'était moi, Juliette et Samuel Etienne. Ouais, du coup, bah, je te laisse regarder ce qu'on a fait. Revenir leurs joueurs morts, ce qui leur rend immédiatement leur chance de victoire. Leur position est toujours précaire, mais à 3, ils peuvent encaisser n'importe quel combat. Sur Thunderwatch, la situation en est toujours une de statu quo. TSM, à l'intérieur, protègent leur partie du bâtiment et attendent, patiemment, ça, que moi, quelque ça. Chose se passe. Et puis, d'un coup, Reps, qui protège sa porte, abat un membre de Dreamfire tombé d'en haut, et TSM, au même moment, comprennent grâce à la capacité de Reps que X7, juste au-dessus, ont l'un de leurs joueurs au sol en train d'être réanimé. Et ça, c'était le signal qu'ils attendaient. Là, ce qui vient de se passer, c'est énorme pour le reste de la game. TSM vient de faire tomber l'une des deux seules autres équipes qui pouvaient gagner, déjà, et surtout, ils sont dans une bonne position pour la suite. En hauteur comme ils le sont, ils ont un grand panel d'options qui s'offre à eux en fonction des situations. Ils peuvent tomber sur des équipes d'en bas, se réfugier à l'intérieur si la situation se tend en haut, rentrer facilement s'il faut quitter l'endroit. Bref, ce qui vient de se passer est très important. Ascend, quant à eux, malgré les tirs et leurs joueurs down, arrivent toujours miraculeusement à rester en vie et à réanimer leurs camarades tombés, se trouvant dans une position précaire dans laquelle, ceci dit, personne ne vient les rush frontalement. Au final, là où la situation est la plus tendue, c'est bien à Thunderwatch. Là, ce que tout le monde attend, c'est la fermeture de la zone et l'indication de la prochaine. L'emplacement de la dernière zone va... Putain, vous vous rendez compte, il y a 13 escouades encore, et vous voyez comme la zone elle est petite là-haut, là, en haut à gauche. C'est quoi ce Beans? Ouais, je te taquine... Je te taquine, Dopio. Non, effectivement, on réagit à la... On regarde ensemble la vidéo de Ego qui s'appelle « Le surdoué enragé d'Apex Legends ». Voilà. Elle date d'il y a un an, cette vidéo. On a parlé de l'event d'hier soir en stream juste avant la vidéo. Changer. Le but du jeu, prendre état de la nouvelle et agir immédiatement pour se placer le plus avantageusement possible. Et c'est ce que TSM veut faire, mais avant ça, il faut traverser le bâtiment. L'endroit où ils se trouvent, pour le moment, sera vide dans la zone et ils ne peuvent pas se permettre de prendre des dégâts inutilement. Sauf qu'au bout, il y a déjà une team. Well, they hold position, well, they hold as much area, but now, TSM, they're making their move. This is a ballsy play from TSM. They want to try and take the height, they want to try and force Onyx away. They want to claim the building as their own. They're going to take so much damage, though. But here comes Hal. Takes down Gambari onto Sun. Fon 1-2-3 eliminated as well, and all of TSM are still healthy. Ici, ils peuvent contrôler la situation encore mieux qu'ils le pouvaient avant, ils peuvent tirer sur les équipes plus bas, et surtout, ils peuvent décoller plus tranquillement s'ils ont besoin de faire leur rotation. Al garde un œil sur la zone, qui vient d'ailleurs de s'actualiser, elle ne se trouve pas sur Thunderwatch, mais au milieu de nulle part, très exposée. Ascend, de leur côté, vient d'éliminer un membre survivant de l'équipe en déroute de X7. Il reste, dans la partie, encore 8 équipes en vie, et parmi elles, seulement 2 peuvent arracher la victoire. Ascend, au sol, et TSM, plus haut. Et Al, à ce moment-là, malgré le stress, comprend grâce à son incroyable vision de jeu qu'il se passe quelque chose.
Deux équipes sont déjà en train de se battre sur la God Pose, la meilleure position de la zone finale. Alors, sans perdre une seule seconde, ils décident de saisir l'opportunité. La position pour TSM est monstrueuse. Ils ont la God Pose dans la zone, en hauteur, avec quelques rochers pour se protéger. Là, je vous le dis, Al sait qu'ils peuvent gagner. Mais il reste encore 7 équipes, et il va falloir faire les bons choix. La zone commence à se refermer, et les équipes Mais 7 équipes sur une aussi petite zone, c'est un truc de ouf. Je trouve ça qui me fascine avec les Battle Royale high level, genre, c'est vraiment... C'est what the fuck, quoi. On va à tout prix bouger pour rejoindre la nouvelle. Fnatic, notamment, tente une percée désespérée pour l'atteindre, obligé d'affronter TSM pour survivre. Have their feet touch the floor. TSM on Ninja Red's house taking damage. The black hole's gonna go down. He's desperate to get down to his long time duo. What a moment this is. Reps goes in. Should be able to get the shield swap as well. Fnatic sont immédiatement détruits, et ce ne sont pas les seuls. Et en fait, très vite, il ne reste plus que deux équipes complètes. Oh, TSM d'un côté et No way, putain, il reste les deux équipes qui peuvent gagner, quoi. C'est pas possible. Scène de l'autre, qui achève les derniers membres des escouades restantes. Se retrouvent bientôt plus au sommet que les deux titans, qui se regardent en chien de faïence, conscients de la chose suivante. Là, c'est la dernière game, le dernier combat. Le vainqueur de l'affrontement final arrachera le trophée. Oh, le truc de ouf. Oh, putain. Non, ouais, scripted, hein. Wow. Ah ouais! Ça faisait longtemps, hein. Enfin, vers eux. Putain, attends, c'était trop stylé. Quand ils sont, quand il est allé en l'air, là. Trop classe. Ah, ça fait plaisir! Putain! Trop mims. Eh ben, ça faisait longtemps, hein. Enfin, Verhulst, c'est tout nouveau pour lui, mais pour Al et pour Reps, c'est un retour aux sources. Et ça doit faire du bien. Parce que ce que vive TSM, ça commence bien à ressembler à un cycle. Gagner, perdre, critique, gagner. Et il faut bien comprendre qu'il est extrêmement difficile de rester au sommet d'un jeu qui change tout le temps. On a ici pas la satisfaction des pros de Rocket League de savoir que leur jeu ne bougera jamais d'un iota. Sur Apex, on introduit régulièrement de nouvelles maps, mais surtout de nouveaux personnages avec des capacités inédites qui font évoluer les méta et les styles de jeu en permanence. Ce qui veut dire que personne ne peut se reposer sur ses acquis, personne ne peut se satisfaire de son niveau. Ici, c'est une remise en question permanente. Et rien que pour ça, je tire mon chapeau aux joueurs d'Apex. Petite mention aussi à NRG qui, sur 3 étapes, finissent 3ème, 1er, et 2ème, ça a fait quand même une sacrée régularité. Je t'aime. Un grand merci à Aurax, ancien joueur pro, streamer. Ah, Aurax, putain, il était là hier. Caster français qui a justement casté ses playoffs à LGS et qui a bien voulu corriger les erreurs que je m'apprêtais à vous raconter. N'hésitez pas à faire un tour sur son Twitch en description. Vous allez voir, le bug est chaud. Je vise les 500 000 abonnés avant la fin de l'année et je crois d'ailleurs que je commence un peu à me lasser de vous l'annoncer à chaque fin de vidéo. Je suis bien pressé de les atteindre pour vous demander votre soutien pour le million. Bon, quoi qu'il en soit, je vous remercie encore et toujours. Bien entendu, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ouais, t'es trop bien.
Oh, le banger. Le banger, n'hésitez pas à like et follow, bien sûr, pour le mini. Ah, il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Moi, j'avoue qu'au début, j'avais un peu de mal parce que ça allait dans tous les sens. Tu vois, Apex, il faut se mettre dedans. Mais quand tu comprends un peu le rythme, ça va mieux. Ah, le jeu de la vie, il était cool. Hein. Oh, le jeu de la vie, franchement, ouais, il était sympa, la vidéo. En vrai, toutes les vidéos sont banger. Hein. Vous voyez lesquelles j'ai vues? J'ai vu celle-là récemment. Celle-là, je suis pas sûre d'avoir vu le plus grand serveur de l'histoire du Minecraft, je suis pas sûre. Mais celui-là, du coup, on vient de la regarder. J'ai regardé, ouais, Faker, le jeu de la vie, les portals. Une heure pour devenir champion du monde d'Apex. Mais attends, j'avais pas vu ça. Merde! Merde. Banger aussi. Mais de toute façon, quelle vidéo de Ego n'est pas un banger, j'ai envie de vous dire. Faut que quelqu'un fasse une vidéo sur Ego. Ego, le génie de YouTube. La boucle. Le titre est trompeur, c'est pas un tuto, putain. Chier, moi qui voulais être championne du monde. Attends, c'est quoi? C'est une vidéo... ouais, c'est un storytelling. Aujourd'hui, on va innover. Je vous propose de jouer à un petit jeu. Je vous explique. Ce que vous avez sous les yeux là, c'est la plus grande compétition d'Apex Legends de l'année 2023. Un jeu dans lequel des dizaines de joueurs sont placés sur une même map, dans une zone de plus en plus petite, de manière à ce que les équipes s'éliminent et qu'à la fin, il n'en reste plus qu'une. Apex, c'est un jeu extrêmement chaotique qui, donc, en septembre... C'est un tuto ? Non mais il va expliquer Apex. Oui, de 53 minutes. 2023 organise son événement le plus important de l'année, les 40 meilleures équipes de la planète, passées par des mois laborieux de qualification sur leur propre continent et lors des deux LAN précédentes, et qui viennent tenter d'arracher la plus grosse part possible des 2 millions de dollars mis en jeu par la compétition, et aussi, peut-être même surtout pour certains d'entre eux, le titre de champion du monde. En fait, vous et moi, on va même sauter quelques étapes pour se rendre directement en grande finale, où ne se trouvent déjà plus que 20 équipes qui vont devoir lutter. C'est garanti. Yep, d'office ou remboursé. Putain, let's go. Mais ok, bon bah c'est parti pour être champion du monde d'Apex alors. T'es pendant quelques heures pour grappiller, partie après partie, les points et le top 1 nécessaires pour prendre le trophée, chacune d'entre elles étant convaincue que ce dernier leur appartient et que les 19 autres équipes ne sont que des marchepieds qui leur permettront d'accéder à la victoire. Et aujourd'hui donc on va faire les choses un peu différemment de d'habitude puisque vous allez jouer. Plutôt que de suivre une équipe tout le long de la compétition, je vais vous présenter 4 équipes parmi lesquelles vous allez devoir... Mais on sait déjà, non? Du coup, comme on vient de regarder. Non, je crois que si. Parier sur celle qui gagnera ces championnats du monde. Ah, et pour ceux qui connaissent déjà le résultat du tournoi, vous verrez très certainement des choses que vous n'avez pas vues la première fois, mais surtout, je vous ai mis beaucoup de musique épique. Restez, s'il vous plaît. Bon, pour vous permettre de choisir correctement, je vous présente très succinctement ces équipes. La première d'entre elles, c'est Black Hand, mes premiers chouchous, qui sont 3 joueurs clavier-souris, ce qui, à ce niveau de compétition, sur un jeu dans lequel les manettes sont à ce point assistées, est très... Ah, c'est pas la même. Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas la même chose. Ah, d'accord, oui, d'accord. T'as répondu carrément, je te jure. Il a répondu à mes questions, j'ai même pas fait gaffe. Niveau storytelling, True Sight, c'est une dingue aussi, je connais pas. Du coup, on a replay ou on est officiel la vidéo? Non, je sais pas. Je sais pas, tu me poses une colle. Mais je pense... Je sais pas. Les amis, on veut sortir une vidéo sur le The Event Best Of. Et
Et c'est cool de ouf. La vidéo est sympa. Elle est chouette. Il y a plein, plutôt, il y a beaucoup d'activités dedans et tout. Mais la question, c'est est-ce qu'on poste sur la chaîne principale ou chaîne replay ? Parce que chaîne principale, c'est très gaming. C'est très gaming. Bah en fait, je savais que vous alliez dire ça avant de poser la question, donc c'est pour ça que j'hésitais. Parce que en fait, c'est très gaming et même si c'est cool le event et tout, je sais pas si les gens cliquent. Pourquoi replay ? Bah parce que la chaîne replay, c'est un contenu. C'est peut-être là où est-ce qu'on pourrait mettre les vidéos un petit peu moins gaming, quoi. The event come to. Ouais, pour les streamers sur place. Là, on était à distance, tu vois, donc je sais pas. Je sais pas. Tu t'en fous dans tous les cas. Ah ouais. Ouais. Ouais, vous avez peut-être raison. Les deux. On va sortir la même vidéo en double sur les deux chaînes. Principal, c'est mieux. Bah, vas-y. Bah, go principal alors, Kalem. Go, go, go. Les deux avec les deux minias et des titres différents. Bien sûr. Bien sûr. On va mettre deux vidéos sur ta chaîne différente. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Là où t'as le plus d'abos. Ouais, mais c'est des abos qui sont là pour Overwatch et Valo. Et j'en fais très peu dans la vidéo. 12 heures. Je pense que tu peux la sortir, ouais, bientôt, je pense. En 6 parties. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça en 6 parties. Découpé. Gameco, merci beaucoup pour le troisième mois de niveau. Let's go! Anaï clap, Anaï clap, Anaï clap. Merci beaucoup, comment ça va? En vrai, je sais pas, on peut peut-être la sortir maintenant? Non, je sais pas. Midi, ok. On peut midi. Du coup, chaîne principale. Bah, j'espère que ça plaira. C'est bizarre d'avoir une vidéo montée sur une chaîne replay. Oh, pas tant que ça. Je sais pas, pour moi, ça me... c'est, it's not a big deal, je trouve. Tu peux faire une playlist best-of et c'est pas grave, hein. C'est pas grave, je pense. Surtout quand la chaîne replay, elle est pas non plus giga famous, tu vois. Je pense que c'est pas non plus grave. Ouais. Bon, on verra. En fait, Black and... On verra. Ce n'est pas seulement qu'ils sont trois joueurs clavier-souris, c'est aussi que c'est une équipe que personne n'attendait plus que ça et qui sont arrivés. Du coup, j'ai complètement perdu le fil du truc là. Que vous n'avez pas vu la première fois, mais surtout, je vous ai mis beaucoup de musique épique. Restez, s'il vous plaît. Bon, pour vous permettre de choisir correctement, je vous présente très succinctement ces équipes. La première d'entre elles, c'est Black Hand, mes premiers chouchous, qui sont trois joueurs clavier-souris, ce qui, à ce niveau de compétition, sur un jeu dans lequel les manettes sont à ce point assistées, est très rare. En fait, Black Hand, ce n'est pas seulement qu'ils sont trois joueurs clavier-souris, c'est aussi que c'est une équipe que personne n'attendait plus que ça, et qui sont arrivés deuxième en phase de groupe, et premier en winner bracket, avec un nombre phénoménal de kills au clavier-souris. J'adore. Deuxième équipe, Optic Gaming, l'une des meilleures équipes nord-américaines, avec Noct, un ancien joueur top 1 de ranked qui s'est mis à jouer professionnellement, et surtout Skittlecake, un gars connu pour ses clutches et ses prédictions de zone presque paranormales. Et si vous ne savez pas ce que j'entends par prédiction de zone, pas de soucis, on en parle après. Troisième équipe, Dojo, mes deuxièmes chouchous, en fait ce sont même les chouchous de tout le monde, c'est une équipe américaine qui vient du LCQ, le Last Chance Qualifier, c'est un tournoi dans lequel se sont affrontées toutes les équipes qui n'avaient pas réussi à se qualifier initialement au championnat du monde, en gros, le tournoi de rattrapage. Et qu'une équipe de LCQ se retrouve en finale des World LGS, c'est déjà impressionnant, et il y a surtout un joueur chez Dojo qui fait parler de lui, It's Timmy, originellement un très gros créateur de contenu Apex, tellement gros qu'il se cale parfois des sessions de ranked avec Post Malone, c'est vous dire. What? Bref, c'est un joueur clavier-souris au niveau mécanique très impressionnant, mais dont beaucoup doutaient de sa capacité à jouer correctement en ALGS. Mais, attends, il a fait un truc là, ouais. C'est Hanzo ou c'est... on est sur Apex là? Je comprends pas. Créateur de contenu Apex, tellement... Arrête ce qu'il a mis avec le l'arc. En gros, qu'il se cale parfois des sessions de ranked avec Post Malone, c'est vous dire. Bref, c'est un joueur clavier-souris au niveau mécanique très impressionnant, mais dont beaucoup doutaient de sa capacité à jouer correctement en ALGS. Ouais, pourtant,
Il est là. La quatrième équipe finalement, c'est TSM, les grands favoris de cette grande finale, la meilleure équipe d'Apex de tous les temps, et potentiellement la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. TSM, ils sont là en mission, avec le plus grand joueur d'Apex de tous les temps, Imperial Hall, dont je vous ai déjà parlé lors de ma première vidéo sur Apex, et qui veut à tout prix décrocher ses premiers championnats du monde. Je sais que ça fait beaucoup de meilleurs de tous les temps dans un seul paragraphe, et si ça ne vous donne pas envie de choisir TSM, je sais plus quoi faire. Ok, bah, je pense qu'on est bon, je vous les remets toutes pour que vous fassiez votre choix. Alors... les gouttes, je vous dis. C'est mignon, Dojo. Dojo, ils sont mignons, je trouve. Après, optique, prédiction, zone, c'est stylé quand même. Les gouttes, je vous dis. Mais il n'y a pas d'argument. Vas-y, de toute façon, on va pas choisir... Enfin, moi, j'ai pas envie de choisir TSM parce que... Vas-y. C'est bon. Ils étaient déjà à l'avant, c'était déjà les stars, juste avant, là. On va choisir d'autres personnes. Black Hunt, je m'en fous. Optique ou Dojo, je sais pas, attends. Technique douce, étoile lente, au bout de 3, 1, 2, 3. Ok. Vas-y, Dojo. Bon, maintenant que c'est fait, je vous propose aussi, voilà, si des tests en cas différent, Yovel, une noire, le PC, ça, une flux barcode, R50 plus important de l'année, commence enfin. Pour les nouveaux, je le rappelle rapidement, pour remporter cette finale, il faut atteindre ce qu'on appelle le match point, le seuil de 50 points, en éliminant des équipes et en se faisant éliminer le plus tard possible. Une fois que vous avez ces 50 points, vous n'avez plus du tout besoin de vous en préoccuper, votre seul objectif, c'est de remporter une partie, d'être la dernière équipe encore en vie. Donc, je résume, 50 points, puis une victoire. Les meilleures équipes prennent généralement 3 à 5 parties. En vrai, je pense que ça va être optique. Pour atteindre les 50 points, ce qui veut dire que les premières games seront les moins tendues. Ceci dit, vous le verrez quand plusieurs équipes seront en match point avec la possibilité... C'est trop dur de choisir. Vous choisissez qui? Ceux qui savent pas déjà. Ceux qui savent, évidemment, taisez-vous. Ah. Mais ceux qui savent pas. C'est trop dur. L'été pour chacune d'entre elles de devenir champion du monde, les choses deviendront tout de suite beaucoup plus intenses. Bon bref, comme les premières parties seront plus tranquilles que celles qui suivront, je vais m'en servir pour vous expliquer 2-3 choses, surtout la première. Ce sera notre partie pédagogique qui nous aidera à mieux comprendre la suite. Pour commencer, on va suivre Dojo, nos chouchous d'Amérique du Nord, avec Timmy, le créateur de contenu reconverti en IGL, le leader de son équipe. Au début de chaque partie, les équipes doivent descendre, depuis les airs jusqu'à l'endroit de la map qu'ils souhaitent atteindre pour récupérer du matériel et effectuer leur rotation jusqu'à la première zone. La question de savoir qui va drop où est souvent réglée au préalable, mais parfois deux équipes veulent drop au même endroit. Et les deux ont souvent trop d'ego pour changer. Pourquoi est-ce que cette autre équipe aurait la priorité sur la nôtre? Et c'est ce qui va arriver à Dojo et à Alliance, la meilleure équipe européenne. Alliance va finalement, sans l'avoir annoncé, décider de drop à Thermal Station, le drop de Dojo. Alors les deux équipes y descendent, trouvent des armes le plus rapidement possible et commencent leur affrontement. Ouh. Allez Dojo! Ok, première chose, vous verrez par moments un peu de délai dans les tirs envoyés par les joueurs, voire parfois des viseurs qui sont étrangement à côté de leur cible, mais en fait c'est dû au mode spectateur du jeu, je vous assure que les joueurs savent viser. Et d'ailleurs ça c'est surtout au début, vous verrez, ça va s'arranger très vite. Deuxième chose... C'est pour ça que Dojo sont mes chouchous, je sais que ça peut paraître idiot, mais les trois s'éclatent. On les voit sourire, et dans un contexte aussi tendu qu'une grande finale des World Apex, bah je vous assure que c'est pas évident, et ce n'est sur ce jeu pas du tout commun. Dojo veulent gagner soit, mais le sourire aux lèvres. Cet affrontement entre Dojo et Alliance d'ailleurs, ça va devenir notre... Trop mignon, il sourit. Je vais aller me chercher de la pizza. Si vous voulez chercher un truc à manger, à boire et tout, parce que j'ai un peu mal au... Là, mal à la tête là. Donc je pense que je vais me prendre à manger, ça va régler mon problème, c'est sûr. Et comme ça, vous avez le temps d'aller chercher des trucs aussi. Ok? Un truc à grignoter, quelque chose, je sais pas. Allez, j'arrive dans une minute. Petit feuilleton de début.
Yo, ça va? Bonsoir. C'est bon, j'ai pris de la pizza. Je suis ready. J'espère que vous l'êtes également, messieurs, dames. C'est reparti pour le react de la vidéo d'Ego qui s'appelle « Une heure pour devenir champion d'un monde d'Apex », bien sûr. Salut, est-ce qu'il me... De partie, vous allez voir que la guerre d'ego est loin d'être terminée. Ok, on va laisser d'autres joueurs récupérer ce qu'ils peuvent dans cette zone, et on va aller voir Optic, l'équipe américaine dont je prédisais que personne n'allait miser sur leur victoire, et on verra bien si les 4 personnes qui leur ont donné leur vote avaient raison. Le départ d'Optic est beaucoup plus tranquille, ils lootent sans se poser de questions, prennent l'info sur la prochaine zone et partent vers elle. Ah oui, du coup, il faut que je vous explique les zones, vous verrez, c'est super simple. Une map d'Apex, c'est très grand, et les équipes s'éliminent petit à petit, il faut bien trouver un moyen de les faire s'affronter. Les Battle Royale ont très vite trouvé la solution, mettre en place une zone, un grand cercle, en dehors duquel les joueurs prennent des dégâts. Le but, donc, c'est que les joueurs restent dans ce cercle. Toutes les quelques minutes, apparaît une nouvelle zone, plus petite, que les joueurs doivent rejoindre s'ils ne veulent pas prendre de dégâts. Et ça force les équipes à se retrouver au même endroit à la fin. Mon chat veut manger de la pizza, je vais devoir la virer. Je suis désolée. Allez, viens par là. Viens par là, la bolosse, là. Et ça avantage Allez. Aussi des joueurs qui arrivent dans la zone. Trop le seum. Finale en premier, parce qu'elles peuvent occuper la meilleure position de la zone avant les autres. Alors comment est-ce que les équipes peuvent deviner où se trouvera la zone finale? En fait, déjà, sont disséminées aléatoirement sur la map ce qu'on appelle des ring consoles, ce qu'on va juste appeler des consoles, de petites machines qui, quand elles sont activées par un joueur avec la bonne classe, vous donnent la prochaine zone. Et ça vous donne de l'avance, et ça vous permet aussi potentiellement de prédire les zones qui vont suivre. La prédiction de zone, c'est d'ailleurs une science assez complexe, dans laquelle excelle justement Skittlecake, de l'équipe d'Optique qu'on est en train de suivre, et à laquelle vous pouvez même vous entraîner en ligne. Généralement, pour simplifier, en reprenant ma partie, vous notez la direction dans laquelle les deux premières zones partent, et vous les suivez plus ou moins pour déterminer les suivantes. En gros, la mienne serait là. Peut-être. Bon, en fait, c'est quasiment toujours plus compliqué que ça, parce qu'il y a des endroits où les zones ne tombent jamais, mais vous comprenez le principe. Optic, donc, active une console et partent rejoindre la deuxième zone en passant par un tunnel. Surprise, dans ce tunnel, on trouve TSM qui, de leur côté, s'attendait à ce qu'Optic passe par là, puisque ces derniers empruntent régulièrement ce passage. TSM vont essayer de repousser Optic, de les empêcher de rejoindre la deuxième zone, mais se sentiront assez rapidement débordés, observant d'ailleurs qu'Optic ont déjà récupéré des viseurs qui leur permettent notamment de voir dans la fumée. Bref, TSM vont préférer fuir, plus au nord, dans un coin dans lequel ils vont d'ailleurs tomber sur une autre équipe. Vous le savez peut-être, quand deux équipes engagent le combat, le plus gros risque est ce qu'on appelle la third party, une autre équipe qui viendrait nettoyer le combat initial. Et c'est ici exactement ce qui se passe, alors que TSM et FaZe viennent tout juste d'engager le combat, Moist arrive de l'ouest et Optic du sud pour terminer tout ça. Et assez étonnamment, deux équipes qui viennent third party, ça fait en fait peur à tous les acteurs concernés. Ici, il y a tellement de monde que Moist et Optic décident en fait de repartir et que FaZe arrive miraculeusement à survivre. Les seuls perdants dans l'histoire, ce sont TSM. Alors, on va retourner avec Optic qui s'installe dans la zone et qui y attendent. C'est d'ailleurs comme ça que se déroule. C'est début. Ouais, on est à 10 minutes là. Toutes les parties professionnelles d'Apex, de longues périodes de rotation. Ouais, j'aime trop l'idée de choisir un joueur, enfin une équipe avant, et puis de suivre leur avancée et tout, je trouve ça trop cool. On est... Attendez, je suis pour Optic pour Dojo. En fait, comme je me dis... Je sais pas, c'est trop dur. D'attente, de prise d'informations, de discussions stratégiques, et c'est ce que font Optic, ils prennent vite connaissance de la prochaine zone et décident de rester au même endroit. Ils discutent de ce qui va se passer, de là où chacun d'entre eux devrait se positionner, et de comment ils devraient réagir s'ils se faisaient attaquer. Bon, on va vite avancer, ça reste la première game, on est juste là pour que vous compreniez les bases du jeu. Optic reste plus ou moins au même endroit tout le long de la partie, là où c'est compliqué, c'est de l'autre côté, où s'entassent toutes les autres équipes. Pour voir ce qui s'y passe, on va aller regarder l'équipe américaine qui a éliminé TSM, dont les trois joueurs sont d'ailleurs restés à l'endroit où ils les ont éliminés. FaZe, ils ont quelque chose de très intéressant, et encore plus quand on arrive aux zones finales, la hauteur. Avoir la hauteur sur une autre équipe, ça vous permet généralement d'être moins exposé au tir et de prendre le combat quand vous le souhaitez, descendre sur l'équipe qui stationne sous votre spot quand vous le désirez. Bon, il y a malgré tout une classe de personnages qui vous permettrait de faire le chemin en sens inverse, l'équipe en hauteur doit donc rester prudente, mais on en reparlera plus tard. Pour le moment, la hauteur, c'est bien, et c'est ce qu'on voit ici, les joueurs de FaZe peuvent reculer pour se protéger des tirs, mais surtout canarder les équipes qui passent devant elles en espérant trouver un endroit où se cacher. Typiquement là, Snipedown met à terre un joueur de Moist, une équipe qui n'avait déjà que deux joueurs en
survie et qui va devoir réanimer son deuxième joueur pour avoir une chance de survivre jusqu'à la fin. Ceci dit, vous le voyez là, Moist part immédiatement se cacher dans un coin. Un joueur en moins en combat sur Apex, c'est un désavantage colossal. Voilà pourquoi il est très important de ne pas se mettre dans des situations trop compliquées. Attends, mais... il a pas de PV? Ah non, putain, je croyais... Ok, j'ai confondu les boucliers et les PV. Tout va bien! Il a juste pas de bouclier, tout va bien! Avant la zone finale. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait Optic, qui viennent terminer cette équipe de Moist. On retrouve donc en finale deux équipes qui ont réussi à se préserver en jouant leur combat intelligemment et qui peuvent aborder ce duel final sereinement. Pourquoi on voit en noir et blanc? C'est le l'ult? C'est l'espèce de truc d'ult? Peut-être? Ah bah, les BR, de toute façon, c'est compliqué, tu dois regarder partout. Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ceci dit, là, encore une fois. Vous voyez, optique! J'ai dit. On ne joue pas une victoire de tournoi, les équipes veulent simplement engranger des points, c'est pour ça qu'on voit ici FaZe absolument pas mécontent. Une deuxième place avec 7 kills, c'est un résultat dont personne ne pourrait être attristé pour lancer une grande finale. Ah oui, d'ailleurs, comme il est parfois compliqué de savoir qui a gagné la partie dans la toute dernière zone, avec généralement plusieurs équipes se battant pour le top 1, à chaque fin de partie, le nom de l'équipe gagnante s'affiche juste là, ça vous évitera d'avoir à décrypter les visages des joueurs pour savoir qui a gagné. La deuxième partie ne verra, comme la première, aucune équipe atteindre le match point. Ceci dit, je vous ai promis le feuilleton Alliance versus Dojo, la meilleure équipe européenne contre mes chouchous américain, alors on peut retourner voir ça. Les deux trios drop encore une fois à Thermal Station. Si une défaite de Dojo ferait mal, une défaite d'Alliance serait dévastatrice. Se faire éliminer deux fois en deux games en dernière position, peu s'en faut, ça peut absolument ruiner une finale. Mais attends, ils viennent au même spawn? Ils sont bornés, hein? Dis. Là, il faut qu'Alliance gagne. Cellule de cire, ok, ok. Ouais, c'est un nul quoi, ok, ok, merci. Oh! Ils se font détruire. Oh mais c'est des trolls. Tu joues tout le temps les mêmes spawns. Ouais mais ils ont le même qu'une autre équipe. Ah ouais. Ok, cette deuxième game ne sera pas particulièrement importante. Aucune équipe ne passera en match point et elle sera remportée par une équipe chinoise, Dreamfire, qui prend aussi 15 kills, ce qui est gigantesque en finale de championnat du monde. Mais bon, je les ai pas mis dans ma liste, il fallait bien faire des choix, donc on va directement passer à la troisième. Et pour cette troisième partie, on va changer de carte. En fait, ce jour-là, le format est le suivant. On joue la map World's Edge deux fois, puis Stormpoint deux fois, et on recommence jusqu'à la fin de la finale. Ces deux cartes sont très différentes l'une de l'autre, et certaines équipes ont leur spécialité. Typiquement, Dreamfire, qui ont gagné la deuxième partie, sont très à l'aise sur World's Edge, et beaucoup moins sur Stormpoint, la carte sur laquelle on passe pour cette troisième partie. Ce que ça veut dire, c'est que les équipes n'ont pas les mêmes zones de départ, et typiquement, Dojo et Alliance ne dropent pas au même endroit. Bon, tant mieux pour Alliance, hein, parce que Dojo semble imprenable au drop, et c'est l'occasion d'aller voir ce que font TSM, les favoris de ce tournoi, et pour qui cette finale se passe pour le moment assez mal. Ils ont fini 17e la première partie, et 10e la deuxième, avec un total de points à 11 seulement. Là, il faut se réveiller. TSM, sur Stormpoint, ils dropent dans une zone qu'on appelle le Wall. Aucune autre équipe n'a annoncé vouloir drop à cet endroit, alors pour Imperial Hall, l'objectif... Comment t'annonces que t'atterris à un endroit? Tu le dis aux gens? Ou tu le pings sur la map? Ou tu drops? Je sais pas. Comment tu l'annonces? Du coup, il dit qu'ils annoncent pas, mais t'es censé annoncer, genre? Les spawns sont prédéfinis avant la game pour toutes les équipes. Mais c'est genre... c'est qui décide qui va où? C'est bizarre. Sur Discord, il y a une semaine d'accord. Hein, mais c'est cordial de ouf. Ils se mettent d'accord. J'imagine que c'est pour que la game soit un peu plus sympa, quoi, à vivre, j'imagine. Avant, tu disais sur Discord, maintenant c'est random, t'as un système de draft. Ah d'accord, ok. Chacun choisit, s'il y a une team qui veut le même spot, ils se battent. Ok. Oui, c'est ça. C'est peut-être pour éviter les combats un peu trop tôt qui sont pas fun, du coup. Enfin, qui sont pas épiques à regarder. Ok. Merci pour l'info. Ok, ok. C'est juste de récupérer du matériel, tranquillement, et puis de faire sa rotation jusqu'à la première zone. Oh my...
What? Ah, on revient un peu en arrière. Ça c'est Dojo, encore eux. Sur Standpoint, le drop de Dojo, il est à Northpad, une zone qui se situe juste à côté du wall. Et avant le lancement de la partie, Timmy propose d'aller faire un tour au wall, parce qu'ils savent que Hal sera seul à l'intérieur du bâtiment, ses deux coéquipiers récupérant du matériel un peu plus loin. Mais du coup, ils se mettent d'accord? Et si, par exemple, il y a une équipe qui dit « moi je vais là » et qu'au final ils vont pas là, c'est ok? Parce que je me dis, si tu dis que tu vas quelque part et que tu le fais pas, c'est un peu bâtard, mais en même temps... Oui, c'est ok, mais dangereux. Ouais, ok, je vois. Tu as le droit de changer. Tu peux faire ce que tu veux. En fait, c'est un truc, c'est la politesse. Mais du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent derrière. Ok, ok. Loin. Alors, avec Designful... Tu dis où tu vas, mais en vrai, ce que tu fais, ce que tu veux. Okay. Semblant de se rendre à Northpad, juste ici. C'est ok, mais tout le monde te déteste. Et puis, il tourne. Ah ouais... Oh les petits ratus! Ah ouais, Dojo, je suis contente. C'est quoi d'avoir choisi cette équipe là? Magnifique. Oh les bâtards! Timmy va expliquer. Vous êtes des nicks. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils voulaient abîmer le mental de TSM. Ils savent que c'est l'équipe favorite, la seule équipe de cette finale à avoir jamais remporté une LAN. Mais pour être honnête, même s'il y a sûrement un fond de vérité là-dedans, je pense que d'autres jeux l'ont fait parce qu'ils pouvaient le faire. C'est un peu leur style en fait, les plays inhabituels, les actions imprévisibles. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont les chouchous de tout le monde. Sauf des pros, du coup. Bon, quoi qu'il en soit, sur 3 débuts de partie, Dojo ont éliminé 3 équipes, et leur imprédictibilité commence à inquiéter. Ceci dit, ce n'est pas l'équipe que tout le monde regarde, celle qui impressionne le plus pour le moment, c'est bien Optic, qui vont d'ailleurs nous prouver que Timmy n'est pas le seul à être malin. Regardez, KCP et Dreamfire, que vous voyez juste là, drop au même endroit, à 1000, et comme Dojo et Alliance plutôt, vont se battre pour déterminer à qui la zone appartient vraiment. Et Optic sont au courant d'une chose, Dreamfire, c'est l'équipe qui vient de remporter la deuxième partie, avec 15 kills, une équipe qui se trouve pour le moment au sommet du classement, juste devant Optic. Et pour ces derniers, qui drop habituellement juste à côté de Dreamfire, la tentation de ne pas intervenir quand ils voient leurs rivaux temporaires engager le combat avec une autre équipe est un peu trop forte. I mean, Dreamfire needs to win this game. They are 7 points off. If they get this 3 KP, bro, they'll only need 4 points. What a fucking bounce that was. My god, and here we go. This is huge. Oh my god, the shots. Give me 2. Give me 2, give me 2. It's one more left. Pardon, je vous coupe. Mais imaginez déjà jouer Apex. Tu comprends rien. Mais alors caster Apex. Waouh. What? What? Non, c'est chaud. C'est très très chaud. Drop. They're thirding it. Oh my god, the immediate third party out of Optic Gaming here is such a good fucking call, Greek. My god. Immediate third from Optic, bro. As Roy and Diever try to stay alive, and look, Optic is now getting in the mix. As Roy's gonna go down to Skittle Cakes, Pite's gonna try to stay alive. My god, Optic Gaming with the right call, bro. Là, Optic vient de faire tomber une équipe à laquelle il manquait seulement 7 points pour atteindre. Pearl, il te ressemble de ouf le mec là. Depuis tout à l'heure, je me fais la réflexion. C'est Pearl, le mec là-bas, là. De chez Optic là. Prendre les 50 et qui risquait déjà de passer en match point sur cette partie. C'est donc très bien joué de la part d'Optic, d'autant plus qu'ils récupèrent des points d'élimination et du loot supplémentaire, et ils s'assurent d'ailleurs une rotation plus tranquille vu qu'ils auraient pu croiser KCP et Dreamfire. Ouais, que du bon donc. Après avoir loot la zone qu'ils viennent d'investir, Optic remonte au nord, jusqu'à leur spawn à eux, ils loot à nouveau, ce qui les met très bien pour la suite, et puis ils prennent un véhicule pour se rapprocher de la zone. 6 minutes plus tard, les voilà à l'intérieur, cachés entre deux rochers, entourés d'autres équipes. Vu leur position assez centrale, il serait très risqué de s'exposer, et ils préfèrent attendre que les équipes qui sont en bordure de zone engagent le combat entre elles. Quand ils entendent partir l'équipe placée sur le spot qu'ils voulaient, ils se découvrent immédiatement pour prendre la hauteur et commencent à canarder les équipes en contrebas. L'objectif c'est de faire le plus de points possible en prenant des kills, affichés juste là, et en retardant leur élimination. Juste ici, vous le voyez, c'est le compteur d'équipe restante dans la partie. À ce stade, il ne faut plus qu'une dizaine de points aux Américains pour passer en match point, alors ils vont les chercher. All the old.
Optic now, first team to pass that match point threshold. If they win this next game, it is all over. They can end this tournament in four games, Greg. La première équipe à passer en match point, c'est donc bel et bien Optic, notre équipe américaine qui, lors du groupe... Je vous avais dit, Optic. Je vous avais dit, mais je pense que c'est trop facile. Je pense que c'est scripté. Ils vont pas gagner comme ça en... Il reste 30 minutes de vidéo, donc... Page du winner bracket était proche du sommet sans y être totalement, et qui semble pourtant bien parti pour devenir champion du monde. On a beau dire, quel que soit le niveau moyen d'une équipe, ce qui importe, c'est son niveau le jour J. TSM ont beau être les favoris pour le moment, ça ne semble pas du tout être leur jour, là où Optic brille clairement. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent, et que la compétition se lance pour de bon, pour Optic parce qu'ils veulent à tout prix un top 1, pour les autres, parce qu'il faut à tout prix les en empêcher. Quatrième partie, comme lors de la précédente, Dreamfire et KCP retournent tous les deux au même endroit, et cette fois-ci, Optic les laisse tranquille. Pour eux, l'objectif ce n'est plus de gêner ou de récupérer des points, c'est juste le top 1. Dreamfire vont assez rapidement perdre pied face à KCP, et on voit ici Roy fuir pour espérer survivre. Attendez, c'est quoi ça? Rapide retour en arrière. Voilà NRG, une équipe dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, avec ce joueur, Sweet, dont je vous disais que je l'aimais bien parce qu'il s'énervait rarement, même s'il emploie le passif agressif peut-être un peu plus souvent que ce que j'imaginais, mais bon, peu importe. Sweet, ici, il voit lui aussi, comme Optic la game précédente, Dreamfire et KCP se battre au même endroit. Alors il va leur rendre visite, tout seul, sans chercher à leur tirer dessus, et il se barre avec le véhicule que l'équipe... En voiture, ouais, c'est ça. Il me semblait bien que j'avais vu une voiture. J'ai jamais testé la voiture dans Apex, je suis trop dingue. Qui gagnera était censé récupérer. Voilà, là, on le voit fuir avec, le replay bug, tant pis. Juste à droite, il passe devant notre membre rescapé de Dreamfire, et il part finalement rejoindre ses coéquipiers. Ok, on retourne avec Optic, notre équipe en match point, qui loot tranquillement à Downbeast. Ils ont eux aussi un véhicule, et une fois qu'il leur semble savoir ce qu'il leur faut, ils se déplacent vers la deuxième zone, qu'ils connaissent parce qu'ils avaient une console juste à côté. Le but, comme toujours, c'est d'arriver en premier pour avoir la meilleure position possible. Le souci, c'est que leur zone finit au nord-ouest de leur position, pas bien loin, mais à Northpad, le drop de Dojo. Et la plupart des équipes prédisent qu'elle finira sur cette branche-ci. Avec un peu de chance, peut-être que Dojo n'auront pas déjà investi l'endroit, alors ils tracent. Attendez, c'est quoi ça? Oui, c'est encore Sweet qui a cette fois-ci embarqué son équipe avec son véhicule et qui vient de sucrer la place d'Optic. C'est d'ailleurs vous dire à quel point les timings sont serrés sur ce genre de rotation. D'ailleurs, une minute seulement plus tard, on trouve déjà... Oh, attends, ça va là-haut, c'est la fête de famille ou... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 équipes. Merde. Par contre, le mode de jeu est trop bien pensé. Faire des points, puis être obligé de faire top 1 pour une compète BR, c'est super faire, je trouve. Ouais, de ouf. Je suis d'accord. Parce que tu es obligé d'être bon dans tout, quoi, en fait. Je suis d'accord. 10 équipes dans cette zone. Dès qu'NRG prend le spot qu'il désirait, les 3 joueurs d'Optic décalent vers la droite et partent sous Northpad, en prenant quelques tiers de dojo situé plus haut, mais en réussissant à occuper un coin plus ou moins sécurisé qu'on appelle la Red Room, un spot qui, en fonction de la zone finale, pourrait bien déjà leur faire gagner le tournoi. Ils décident par moment de sortir pour garder un œil sur la situation, ils envoient des smokes sur NRG pour leur mettre un peu de pression, et se réfugient dans la Red Room quand ils prennent trop de tirs. En fait, c'est même là qu'ils resteront quasiment tout le long de la partie, planqués dans le tunnel, et malgré le fait que ce genre de position, bien loin de la hauteur qu'on recherche généralement, sont souvent au désavantage de l'équipe qui les occupe, dans la Red Room, on leur fout la paix en fait. Les équipes s'entre-déchirent à l'extérieur et personne ne vient vraiment les gêner, ce qui est une situation très confortable pour eux, pour qui rien d'autre n'importe que le top 1. C'était déjà leur tactique lors de la toute première partie de cette grande finale et ça leur a si bien réussi qu'ils n'hésitent pas. T'as besoin envie de jouer au jeu, alors que je suis nul. On est où là? On est où? C'est vrai que ça donne envie de jouer au jeu. À réitérer la manœuvre. Pour NRG, c'est exactement la même chose. Installé derrière leur rocher dès le début, il ne bouge pas d'un iota. Pourquoi il a tiré sur le dragon, là? Oh. Protégé par les rochers et la voiture qu'ils ont installée en rempart. Ils restent là tout du long, dans une position d'ailleurs dans laquelle ils peuvent prendre des infos nettement plus efficacement qu'Optic qui, eux, entourés d'ennemis, osent à peine se montrer. Et damage. Quand ils essayent de prendre des informations et voire même d'agir en fonction de celles qu'ils récupèrent, ils se font immédiatement punir. Le problème ici pour eux, c'est qu'ils veulent prendre ce spot, mais qu'ils savent que la team située plus haut leur tombera dessus au moment où la zone se refermera. Dropped, qui est l'IGL d'Optic, considère qu'il vaut mieux attendre qu'une autre équipe prenne l'endroit, que l'équipe située plus haut leur tombe dessus, et qu'ensuite Optic vienne finir ce combat. Tout ce qu'ils veulent, c'est rester en vie avant le dit combat, en éloignant chaque joueur qui ose s'approcher de la Red Room. Quand les combats commencent sérieusement à faire rage à l'extérieur, ils tentent quelques tirs pour aider à finir pourquoi pas les équipes blessées, mais surtout pour que personne ne vienne dans leur direction. C'est d'ailleurs la même chose pour NRG, dont les 3 joueurs préfèrent attendre que les équipes s'abîment suffisamment pour qu'ils interviennent sans prendre trop de dégâts. Et puis, quand la zone commence à se refermer, c'est le début du chaos pour tout le monde, et Optic et NRG agissent au même moment pour prendre part aux festivités. Optic pour devenir champion du monde, NRG pour que le tournoi ne s'arrête pas déjà. Right on the inside. I'm waiting for the middle.
J'ai un passif Overwatch, donc je comprends ce qui se passe, mais j'ai du mal à suivre quand même. Hein. Attendez, on va se remettre vite fait là. Attendez, donc là on regarde NRG, d'accord. Qui tire sur Optique sans doute. Ok, Optique. Ok, Optique qui tire là. C'est Pearl. Qui se battent contre NRG. Ah non, peut-être pas. Ah non, je suis con. C'est une autre équipe là. Et du coup, maintenant seulement, Optique vs NRG. Wesh. Oh, il a un coéquipier qui est down, il se fait... Solide, hein. Stylé. Optique n'ont pas réussi à concrétiser et ça n'est vraiment pas passé à grand chose. Là, ils auraient pu clore une domination jamais vue en grande finale de l'AN Apex et se font tout juste arrêter par NRG qui passait jusqu'à présent un tournoi très moyen et qui viennent de donner à toutes les autres équipes de la finale une nouvelle chance de l'emporter. Ah et ouais. L'avance d'Optique est tellement grande qu'au lancement de la cinquième partie, ils sont, encore une fois, les seuls en match point. La deuxième équipe, Dreamfire, n'étant qu'à 43 points. Ah Optique, ouais. Même si ça n'a plus d'importance après 50, sont à 70 points. Ils sont à 70 points, what the fuck? Ils sont pour le moment de loin la meilleure équipe de la finale, et la cinquième partie le confirmera encore. Avec une troisième place récupérée, ils ont fait, sur 5 parties, 4 podiums, ce qui n'est clairement pas normal sur Apex. Seul problème, ils n'arrivent pas à concrétiser. Oh, il y a une équipe ça doit être horrible, ça doit être trop frustrant, putain. T'es là, t'as les points qu'il faut, mais t'arrives pas à faire top 1, genre c'est horrible. Apex qui, elle, est connue pour concrétiser et prendre des top 1 quand ça importe vraiment. TSM, potentiellement la meilleure équipe de la planète, le trio d'américains qui a remporté la première LAN de l'année et qui, pour le moment, est 13e sur 20, avec 22 points seulement. Ils ont du mal, peut-être au moment le plus important de leur carrière, et je ne doute pas qu'à ce moment la chose fait mal. L'équipe qui était censée gagner les championnats du monde les voit leur couler entre les doigts. Ceci dit, par principe, on va les suivre sur une game et voir ce qu'ils arrivent à faire. Je les ai mis dans ma liste d'équipes à suivre, il faut bien que je les montre au moins une fois. Ceci dit, rapidement avant ça, je dois vous présenter la structure assez particulière de cette équipe, avec l'un des meilleurs soutiens de la planète, Reps, un joueur clavier-souris qui forme avec... C'est marrant parce qu'il a fait une deuxième vidéo d'Apex comme si l'autre n'existait pas. Je vois, il représente de zéro, je trouve ça cool parce que comme ça tout le monde a les bonnes connaissances, tu vois, mais... Du coup, c'est une autre vidéo, quoi. Salut, Tagwen. Al, le plus grand duo de l'histoire du jeu. Verhulst, un joueur manette, le fragueur surdoué de l'équipe, donc le gars qu'on engage parce qu'il est très bon pour faire tomber des joueurs rapidement. Et finalement, Imperial Hal, qu'on appelle plus souvent simplement Hal, désormais joueur manette, le plus grand joueur d'Apex de tous les temps, qui est l'IGL de l'équipe, donc celui qui donne les ordres, et c'est l'un des meilleurs dans sa catégorie. Sauf que, et c'est là que la chose devient folle, c'est aussi un fragueur. Parce que son intelligence de combat en 3v3 et sa maîtrise grandissante de la manette font de lui l'un des joueurs les plus effrayant en combat d'équipe. C'est pour ça que même si TSM ont pour le moment du mal lors de cette finale, ce trio est redouté de tous. La solidité de Reps, alliée aux capacités de prise de décision et de leadership de Hal, le tout flanqué de deux des joueurs les plus létaux d'Apex, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi TSM sont les favoris du tournoi, et vous n'avez plus maintenant qu'à les regarder jouer. Les Américains drop à un endroit... Ah ça y est, on fait un remontada là, ça me stresse là. Qui c'est qui a gagné hier? C'est la team de Jiltomi, Orax et... Azur.
Sura. Le roi qu'on appelle Lava Siphon, et ils lootent tranquillement, cette fois-ci pas de dojo surprise, ils sont seuls. La première zone est juste à côté, mais ils ne savent pas où se trouvera la deuxième, ils n'ont pas de console là où ils sont, alors ils décident de remonter vers la première zone en passant par un couloir étroit pour se rendre à Harvester, une gigantesque structure dans laquelle on trouve justement une console. Il y reste un peu de monde que TSM vont ceci dit faire fuir assez rapidement, ayant finalement accès à une console. La deuxième zone n'est pas trop loin, mais TSM savent qu'ils trouveraient sur le chemin le plus court l'équipe qu'ils viennent de croiser à Harvester, et ils ne veulent pas engager le combat aussitôt. Ils préfèrent alors contourner par l'est, un voyage qui prend un peu de temps et durant lequel les Américains gardent un œil sur les équipes encore en vie. Le trio a beau passer un tournoi catastrophique, ils n'en jouent tout de même pas moins le titre. Pour TSM, quelle que soit leur place dans le classement, on ne vise rien d'autre que la victoire. Bon, je dis ça, mais la situation n'a rien de doré. Ils rejoignent assez vite la zone, mais longtemps après les premiers arrivés, et d'ailleurs, à l'annonce de la nouvelle zone, Hal se rend compte que la suivante finira de l'autre côté de l'immense paroi rocheuse à côté de laquelle ils se trouvent. Ils ne peuvent pas passer par l'ouest, trop d'équipes les gêneraient, alors ils décident d'emprunter un tunnel, à l'est, en espérant pouvoir trouver un bâtiment sans se faire abattre avant. Looks like diner's open. Can we just run for it? Diner right now? Yep, we're right behind you. Wall right now, come on. Yep, going to the left. Ah ouais. Fly on. Break that fucking drill! Break that fucking drill! Try to. It's time to start. Try to break it. We can inside. Yep, cross in. Break it in our bottom. I gotta heal. Bottom floor, pop it a Phoenix. Yep. Trop stylé! Et tout est smooth. Ils arrivent finalement à en rejoindre un, et en fait, les minutes suivantes, ils changent de bâtiment par deux fois, s'adaptant à la nouvelle zone en cherchant l'endroit le plus intéressant pour le combat final. Chaque choix, à ce stade de la partie, est essentiel. Hal sait bien que le retard qu'ils ont accumulé lors des 5 premières parties est déjà quasiment assuré de les empêcher de devenir champion du monde. Il y a dans sa tête un sentiment d'urgence, la sensation que s'ils ne font pas quelque chose d'au moins bon maintenant, le tournoi leur échappera définitivement. Alors ils attendent pendant de longues minutes dans leur nouveau bâtiment, que la dernière zone se ferme, ils jaugent les autres équipes, tentent quelques tirs par moment. Il patiente. Juste avant la dernière zone, il voit Dreamfire. T'en dirais nous hier contre Izidane. On était là dans les maisons en mode ils sont où? Tomber, la seule équipe qui pouvait remporter le tournoi sur cette partie, Optic étant mort bien plus tôt. Et puis, quand la zone finale se ferme, TSM se met en action. TSM remporte leur première partie, et ça avait l'air assez facile en fait. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez à quel point un combat peut être abordé différemment en fonction du travail de position qui a été effectué par les différentes équipes au préalable. Là où on a vu TSM se placer de manière à nettoyer les équipes restantes, on va regarder pour cette même partie une équipe que le placement a forcé à se battre pour sa vie. D'ailleurs, cette POV est parfaite pour que vous vous rendiez compte du désordre qu'il faut parfois naviguer à la toute fin d'une partie, et de la transition brutale que doivent vivre les joueurs d'Apex entre le calme relatif qui précède le combat, et ce qui suit. Je ne vous lance même pas de musique, je vous mets juste à la place d'un leader d'équipe en vous demandant d'essayer d'imaginer ce que ça fait que de devoir diriger une équipe là-dedans. Non mais aveugle et sourd, vas-y, va sur le champ de bataille là. Non mais mec, c'est bon là. Non mais pitié, genre le mec il était aveugle la moitié du temps, mais what the fuck?
Ça avait quand même l'air nettement plus chaotique pour LGC, non? Ça, c'est le pouvoir de l'association de la chance, du timing et du positionnement. Savoir vider son chargeur sur un ennemi sans louper une balle, c'est bien. Savoir se placer pour avoir à le faire le moins possible, c'est mieux. L'avantage pour TSM, c'est qu'ils savent faire les deux. Bon, ceci dit, ils ne sont toujours pas en match point, et ils devront, lors de la partie suivante, continuer à récupérer des points, tout en empêchant les équipes en match point de gagner. Bon, je sais que ça fait beaucoup de combats, et les choses vont d'ailleurs devenir de plus en plus intenses avec les games qui arrivent, alors je vous propose de faire une petite pause, et de vous expliquer 2-3 choses en même temps. Les joueurs, quand ils lancent une partie d'Apex, peuvent choisir ce qu'on appelle leur légende, le personnage qu'ils vont jouer. Chaque légende a ses capacités propres, des capacités qui peuvent grandement impacter le déroulement d'une partie. Le choix de chaque légende au sein d'un trio de joueurs pro est donc très important. Les légendes, il en existe un paquet, et je ne vais peut-être pas... Tu vois clairement que la méta est fermée, hein, à ce moment-là. Il y a genre 4 persos différents qu'on voit sur les écrans, c'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Toutes les présenter, mais vous pouvez au moins faire la connaissance des... Ah ouais. Stylé. Trois légendes les plus jouées lors de cette finale. En troisième position, on trouve Horizon, une classe offensive qui peut faire partir du sol toutes les 30 secondes une sorte de courant d'air ascendant qui peut porter les joueurs qui rentrent dedans. C'est très efficace pour prendre de la hauteur évidemment, et donc pour lancer des assauts, efficace aussi pour éviter les grenades ou les capacités ultimes des autres joueurs, comme la capacité ultime d'Horizon par exemple, une sorte de grosse machine qui ne fait pas de dégâts mais qui attire les joueurs à proximité comme un trou noir, et qui permet de leur faire des dégâts beaucoup plus facilement tant que la machine n'est pas détruite. En deuxième position, on trouve Catalyst, ça c'est mon main sur Apex, d'ailleurs je vous en supplie, respawn, sortez de vrais skins pour Catalyst, j'en peux plus de ces horreurs. Catalyst est un personnage qui peut bloquer, renforcer et reconstruire les portes, et placer au sol des bombes noires qui abîment et ralentissent les adversaires qui marchent dessus, avec, comme capacité ultime, ces grands murs noirs, au travers desquels les adversaires placés de l'autre côté ne peuvent pas vous détecter, et qui ralentissent et brouillent la vision de ceux qui tentent de le traverser. C'est une capacité essentielle pour les équipes qui veulent changer de position sans prendre de dégâts, et qui est très utile en fin de zone, comme on l'a vu pour TSM sur la dernière partie. Enfin, en première position, on trouve Bangalore, un personnage qui possède en capacité ultime un raid aérien qui peut tempo, créer du chaos ou déloger une équipe bien placée, et en capacité tactique un nuage de fumée qui peut permettre à son équipe de se repositionner à l'abri des regards. Mais c'est loin d'être sa seule utilité. Vous savez peut-être qu'il y a un grand débat sur Apex depuis un petit bout de temps maintenant concernant le périphérique qu'utilisent les joueurs. La manette, qui est un périphérique de base plus imprécis que le clavier souris, est accompagnée d'une aide à la visée, un petit programme dont le nom parle... Et du coup, dans les smokes, ça t'aide vachement, la manette. De lui-même et qui va vous aider donc à mieux viser. De base, cette aide à la visée, elle est là pour compenser le désavantage des joueurs. C'est l'inverse. Sur manette, de manière à les amener au même niveau que les joueurs clavier-souris, et les développeurs ont eu la main un peu lourde, et la manette est maintenant le périphérique le plus redoutable en partie, typiquement Imperial Hall, qu'on a vu plus tôt, a même pris la décision de passer du clavier-souris à la manette pour être plus efficace, c'est vous dire. Bon, ceci dit, je le précise, l'aim assist est loin de tout faire, les meilleurs joueurs du monde sont incroyables, et la manette a de sacrés défauts dans d'autres domaines, mais force est de constater qu'à courte et moyenne distance, SMG en main, les joueurs manettes ne loupent quasiment aucune balle. Et c'est là qu'intervient Bangalore, quand un joueur manette se trouve dans un nuage de fumée, l'aide à la visée ne fonctionne tout simplement plus. C'est pour ça que cette légende est aussi appréciée, et à ce point jouée par les joueurs clavier-souris. Dans la fumée, ils peuvent jouer comme d'habitude, là où les joueurs manettes perdent leur avantage. Bon, et ben notre... Ah, putain, c'est l'inverse. Mais c'est fourbe, du coup. C'est horrible. Bon, après, c'est normal. Hein. C'est normal. En vrai de vrai, du coup, Bangalore, c'est son bras. Parce qu'elle hack les manettes des adversaires, genre. Big brain. Ah ouais, t'es obligé de piquer le perso pour ça, quoi. Notre petite pause est terminée, je crois qu'on peut y retourner. Pour la 7ème partie, on va suivre Dojo, la carte Joker des championnats du monde, qui n'aurait à vrai dire même pas dû s'y trouver. En fait, petite joue lors de ces championnats du monde une équipe du nom de 100 Thieves, une grosse équipe qui engage aussi des créateurs de contenu, des joueurs non professionnels qui tournent des vidéos en représentant la structure. Ces créateurs de contenu ne sont pas censés jouer à niveau professionnel, ils sont censés streamer de la ranked chez eux, loin des tournois, pour apporter de la visibilité à leur structure. Parmi ces créateurs de contenu, chez 100 Thieves, on trouve justement It's Timmy, qui pourtant participe aux championnats du monde dans une équipe qui n'est même pas officiel. Ce qui fait vraiment vraiment mal, c'est que l'équipe professionnelle de 100 Thieves ne sont même pas passés en finale. En fait, ils ont même terminé 40e, les derniers du tournoi, là où leur créateur de contenu, le gars qui n'est censé être bon qu'en ranked, est en train de jouer la grande finale. Oh non, c'est la honte. Oh non, c'est la honte.
finale des championnats du monde. C'est aussi pour ça que ce sont les chouchous de tout le monde. Ceci dit, pour le moment, malgré les 3v3 toujours remportés, Dojo ne brille pas particulièrement, à part lors de la 5ème partie, durant laquelle il tombe en 8ème position, en prenant avec eux 11 éliminations. Bref, la 7ème partie commence, et les 3 membres de Dojo drop, comme d'habitude, à Northpad. Ils lootent leur coin, puis font ce qu'on appelle l'armory, un petit bâtiment dans lequel les joueurs rentrent et ne peuvent ressortir que quand ils ont abattu tous les robots qui s'y trouvent. Une excellente méthode pour récupérer des armes et des upgrades pour ces dernières, des munitions, des soins et des boucliers plus résistants. Pendant qu'ils sont occupés à récupérer du matériel juste à l'extérieur, on trouve Optic qui trace en véhicule jusqu'à la zone. Eux, ils sont toujours là pour le top 1 et ils ne veulent pas perdre de temps, ils tiennent à tout prix à se positionner aussi vite que possible dans la zone. Une zone dans laquelle on trouve d'ailleurs déjà TSM qui ont drop au wall et qui ont eu accès à une console. Ils sont dès le départ déjà plus ou moins là où finira la partie et ils ont le temps de décider où se placer en finissant par occuper l'un des bâtiments du coin. Optic de leur côté traverse le wall à pied et se pose finalement, 4 minutes seulement après le début de la partie, juste à côté de TSM. Pour ces deux équipes déjà idéalement placées, il ne reste quasiment plus qu'à attendre la fin de la partie. Là où pour Dojo, il va falloir se retrousser les manches, ils avaient beau être plus près de la zone qu'Optic, ils ont pris plus de temps à loot avec de longues minutes passées dans l'armory. Peut-être des minutes de trop. Quand ils en ressortent finalement et qu'ils essayent d'accéder au wall pour rejoindre la zone, une équipe déjà installée les repousse. Faire le tour ici pour Dojo, ce serait loin d'être idéal, mais penser qu'ils essaieraient de faire le tour, c'est aussi mal connaître Dojo. Ah, Funk! Ah ouais! Magnifique ennemi quand même. Mais ennemi, vraiment, c'est. Avec Timmy, mec, c'est du délire. C'est fini là, Timmy, on passe à délire. Là, ce duo KBM manette, c'est. C'est du délire. Énergie qui vient d'arriver. Énergie Dojo. Énergie Dojo. Énergie qui est très solide en teamfight ces derniers temps. Mais ennemi est monstrueux. On va le regarder un peu ennemi là, on l'a pas trop regardé. Il était souvent sur Timmy. Super flank. Et il y a de la white en plus. Il y a de la white sur Énergie les frères. Hein. Timmy qui prend des dégâts. Timmy qui va être trouvé par Nafun quand même. Directement sur les côtes de Timmy ennemi pour le trade. On passe directement derrière le joueur manette. Il reste design full. Va-t-il le Wingman design. Design là, putain de Wingman. Tiens bien là. Hein. Oh, Wingman! Énergie qui se fait sortir sur la partie ou pas? Non! Dojo! Ils sont tous les deux comme ça! Wingman! Ah ouais, ça rate pas une balle, franchement chaud! Hein. Ouais, chaud, très très chaud, putain! Énergie qui se fait sortir sur la partie ou pas? Non! Dojo sont en train de prouver au monde entier que c'est. Des tueurs, mec. Bon, ils ont dû faire tomber deux équipes, ah ouais. Mais maintenant, ils sont très très bien, avec tous les soins et les munitions qu'il leur faut, et une bonne position pour la suite. Du côté de TSM, par contre, la situation va changer. La nouvelle zone ne tombe pas. Attendez, je fais juste un truc rapidement. Ok, 30 secondes. J'arrive. T'en fais 30. Sur leur bâtiment, mais plus à l'ouest, et notamment sur celui d'Optique. Ils doivent bouger et se rendre compte que la meilleure position après. Merci Kirana, merci beaucoup pour le prime, let's go. Prendre serait. Bienvenue. Le toit d'Optique. Optique de leur côté les voit évidemment arriver et n'apprécie pas du tout la manœuvre. Avoir un bâtiment dans la zone pour le fight final c'est bien, mais la situation changerait drastiquement avec une équipe au-dessus de leur tête. S'ils veulent sortir à un moment ou à un autre, ils savent qu'ils se feraient canarder par TSM, alors ils tentent de les déloger. Maybe swing the back 3D. Maybe yeah. Insta kill one. Combo skills. Alright. Might be able to kill one on the roof. Swing out to me. They're getting shot right now. I have a frag. I'm fucking frag up. They know. 70. Careful to go in.
Bon, bien essayé, mais ça ne passe pas. Quelques dizaines de mètres plus à l'ouest, on trouve Dojo, forcé de se déplacer avec la zone, qui ne couvre plus le wall dans lequel ils étaient logés jusqu'alors. Les trois Américains vont suivre la bordure de la zone jusqu'à ce que, bientôt, ils ne se trouvent plus qu'à quelques mètres de toutes les autres équipes, des équipes de joueurs professionnels qui enchaînent les tournois depuis des années, dont deux d'entre elles, Optic et Blackhand, peuvent d'ailleurs, dès cette partie, dans les minutes qui suivent, mettre fin à la LAN et devenir champion du monde. Là où Timmy, le créateur de contenu, le monstre mécanique clavier-souris qui, sourire aux lèvres, terrorise depuis des années la ranked américaine, et qui se retrouve propulsé dans les parties d'Apex du plus haut niveau imaginable. Timmy que personne ne pensait apte à diriger une équipe, Timmy que personne n'imaginait capable d'atteindre la grande finale des championnats du monde, notre Timmy donc, se retrouve avec la responsabilité d'empêcher que les deux équipes en match point qui restent sur les quatre ne mettent fin au tournoi sur cette partie. Oh, dinguerie. Oh, c'est une folie en vrai. What? C'est trop mec. TSM qui va gagner la guerre. Four teams achieving match point eligibility with that win. TSM will throw themselves above that threshold. Et les vainqueurs de cette partie ne sont ni Optic, ni Dojo, mais TSM, qui viennent tout juste de réaliser un exploit, remporter deux parties d'affilée en LAN et LGS. Ce qui n'arrive quasiment jamais, et encore moins en finale de championnat du monde, eux qui croupissent au fond du classement depuis le début de la finale, et voilà conquérant venant tout juste de dépasser les 50 points et de décrocher le match point. Le souci... Dojo, ça aurait été trop stylé, vas-y! C'est qu'ils ne sont pas du tout les seuls à être en match point. Ils sont en fait 7 à être au-dessus des 50. 88, 64, 64, mais ça peut durer des heures. What? 50 points et à pouvoir remporter le tournoi dès la partie suivante. L'avance considérable qu'avait pris Optic sur cette finale vient de disparaître. Là, près de la moitié du lobby peut l'emporter. Et quels que soient les résultats des parties précédentes, quelle que soit l'avance que vous aviez, quels que soient les top 1 que vous venez de faire, peu importe. N'importe quelle équipe en match point peut prendre la victoire. Et sur Apex, ça peut vraiment être n'importe qui. 8ème partie, le marathon continue. TSM, les vainqueurs des deux dernières parties, drop au wall, comme d'habitude, sans console à côté, ce qui va les obliger à deviner les zones suivantes. Une situation loin d'être idéale. Quand la première zone apparaît, Hall et Verhulst ne sont pas tout à fait d'accord concernant la position de la deuxième zone, ce dernier pensant que la partie finira à Thunderwatch, un bâtiment que vous connaissez normalement si vous avez regardé la première vidéo Apex. Et d'ailleurs, je peux déjà vous le dire, la zone va bel et bien finir à Thunderwatch, et quand on regarde la carte, voilà ce que l'on voit. La zone que vous aimez. Ouais, c'est choquant. Je pensais à la même chose dans une game normale, tu vois, mais... En fait, ils sont tellement tous sur des zones différentes à chaque fois, c'est beau. C'est beau, c'est séduisant même, je dirais. Voilà, c'est séduisant. La dernière a duré 7 heures. 7 heures! Bah en fait, ce qui est, je pense, terrible et à la fois stressant de ouf, c'est qu'à n'importe quel moment, il y a une équipe qui peut gagner, quoi. Donc t'as du suspense à chaque game et tout, ça doit être un truc de ouf à suivre. En pointillé, c'est la deuxième zone. Les joueurs ne voient que la première sur leur carte, et il faut qu'ils activent une console s'ils veulent avoir accès à la deuxième, qui s'affiche en vert sur leur écran. Bref, les pointillés, c'est la deuxième zone. Ici, pour n'importe quel pro qui a accès à ces deux zones, il paraît évident que la partie finira sur Thunderwatch. Et il y a une équipe en match point qui est juste à côté, et ce sont d'ailleurs mes deuxièmes favoris, Blackhand. Blackhand, j'en ai très peu parlé jusqu'à présent, mais c'est la révélation de ces championnats du monde. Je rappelle que ce sont trois joueurs clavier-souris, une anomalie à ce niveau de jeu. Déjà, c'est une équipe dont deux joueurs sur trois sont indonésiens, le troisième est australien, et c'est tellement inhabituel de voir des joueurs d'Asie du Sud-Est à ce niveau de compétition que je suis juste heureux de les voir là. La LGL de l'équipe c'est lui, Strafing Flame, et le Fragger c'est lui, Easy Flash, donc les deux indonésiens. D'ailleurs, en winner bracket, l'étape qui a précédé la finale, Strafing Flame et Easy Flash sont arrivés premier et deuxième en élimination parmi tous les autres joueurs, Easy Flash dominant la catégorie des dégâts, ayant fait plus de 2000 points de dégâts de plus que le deuxième. C'est une équipe qui combat donc, et qui sont arrivés deuxième de la phase de groupe, et premier du winner bracket. Le gros problème avec Blackhand, c'est que c'est une équipe qui ne fait quasiment jamais de top 1, ils font de très bon placement, prennent beaucoup de kills, mais ont du mal à concrétiser. Et pour devenir champion, il faut concrétiser. Bon, on se replonge dans la partie, la deuxième zone tombe sur Blackhand, et la partie finira probablement... Oh, imagine, c'est lui qui gagne. Dinguerie. Bon, là, quelle que soit la situation, c'est une dinguerie. En vrai... Ouais. Watch, juste à côté d'eux, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de console. Et que pour savoir où se trouve la deuxième zone,
le trio s'éloigne de Thunderwatch. C'est cruel. D'ailleurs, je peux même vous montrer le moment où l'IGL de Black Hand se rend compte de ce qui se passe. What? Thunderwatch? What? This? Oui, sa voix me fait de la peine. Oui, je suis sensible, mais en fait, j'exagère un peu. Les trois joueurs de Black Hand ont un véhicule et ils se placent en fait assez rapidement près de Thunderwatch, dans une position qui n'est ceci dit pas idéale. Ils sont très bas par rapport au bâtiment en question. Pour TSM, la situation est encore plus compliquée. Eux, ils n'ont même pas de console à proximité et ils ne sont pas tout à fait sûrs de la marche à suivre. Alors Hal, en bonne IGL, observe. Il sait, en regardant la carte, que toutes les équipes autour d'eux ont des consoles et il tente de comprendre où elles cherchent à se rendre. C'est une méthode qui peut leur faire perdre beaucoup de temps, mais ils n'ont à vrai dire pas vraiment le choix, alors il regarde. Et puis vers Hulst, au bout d'un moment, voit une équipe plus au sud traverser vers l'est, et Hal comprend immédiatement où elle se rend, vers Thunderwatch. Ce que ça veut dire avec leur retard, c'est qu'ils vont devoir jouer la bordure de la zone, donc toujours rester en périphérie. Comme ils savent qu'ils sont de toute manière en retard, ils retournent en arrière quelques minutes pour finir de récupérer du matériel, et puis ils repartent au nord pour contourner la montagne qui les sépare de Thunderwatch. Une fois arrivés en haut, ils continuent leur rotation, très prudent. Le trio reste assez sous-équipé, ils ont relativement peu de soins et n'ont que des armures bleues, qui est un niveau d'armure assez faible, mais bientôt, ils arrivent non loin de Thunderwatch. Ils hésitent un instant à rester dans ce coin, caché, et à attendre que les autres équipes s'éliminent, sauf que Hal sait qu'il y a un problème. Durant les group stages de ces championnats du monde, Hal a remarqué que dans des situations plus ou moins similaires, Dojo ont par deux fois pris l'exact chemin que TSM vient d'emprunter. Et Hal a peur qu'il refasse la même chose et que son trio se fasse surprendre. Alors TSM tente d'occuper un autre coin un peu plus haut et plus proche de Thunderwatch, mais Hal se fait tirer dessus et il sent qu'il ne serait pas assez protégé s'il restait ici. Il décide donc d'occuper le tunnel, qui est une situation loin d'être confortable, dans laquelle ils n'ont pas la hauteur et vont probablement devoir se battre pour remonter et rejoindre Thunderwatch. Mais c'est tout ce qu'ils ont. Black Hand, de leur côté, décide de grimper. Eux non plus n'apprécient pas leur situation et préfèrent se replacer. Le risque de s'exposer aux autres équipes en changeant de coin étant moins élevé que celui de rester dans une situation plus précaire. Ils arrivent, étonnamment sans trop de problèmes, à prendre la partie est de Thunderwatch, qu'ils vont immédiatement sécuriser. Et ça, c'est une excellente situation, et Black Hand savent que... C'est une excellente... Lena situation. Capitalisant sur leur position et leur incroyable capacité de combat, ils ont vraiment une chance de gagner le tournoi dans les minutes qui suivent. Ils vont rester là quasiment tout du long, barricadant chaque porte, lançant par moments quelques tirs sur l'équipe qui occupe l'autre moitié du bâtiment, et oups. J'essaye d'avoir un impact, en fait, dans ce live. Excusez-moi. Observant ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, il y a Dojo qui sont toujours loin. Eux, ils sont encore plus en retard que TSM, ce qui leur permet ceci dit de s'équiper assez solidement. Après qu'ils aient fait l'armorie, ils ont décidé de passer par la zone, celle-ci leur faisant assez peu de dégâts, pour rejoindre Thunderwatch. Et en fait, de manière assez évidente puisqu'ils ont drop juste à côté, ils vont emprunter plus ou moins le même chemin que TSM. Déjà, ils arrivent finalement là où TSM ont drop, et prennent le temps de se fabriquer du matériel. Une fois la chose faite, ils prennent la tyrolienne que l'équipe de Hal a empruntée juste avant eux, et commencent à leur tour à contourner la montagne qui les sépare de Thunderwatch. Et ils arrivent, comme Hal le craignait, juste derrière TSM. Mais comment il sait tout ça? Il a dû écouter les calls et tout et tout? Wouah! T'es qui? Ouais. Accroupi, silencieux, très bien équipé, très bien placé, et prêt à sauter à la gorge de l'équipe placée dans le tunnel s'il y en a une. Pardon. La grande question, c'est de savoir si TSM va s'en rendre compte. Il a suivi chaque team, mais c'est le boss. C'est le boss. Attends. I wonder if we go to that one. Wait. I think I just heard somebody. On this left side here. I feel like I just hear somebody right here. Yeah, yeah, there's people on my ping. There's people on my ping. Okay. 100%. They're gonna zone. They're trying to push us. They're holding you. One squeak, I think. One of my guys is back by the way. 70 on one. I'm probably bad. I rise up to them. Grenading us. Allez Dojo, défoncez-les. Yeah. Come back. Just
Bon, Al les a entendus. Le souci, c'est que leur situation n'en reste pas moins désespérée. Ils sont obligés de se retrancher plus loin encore dans le tunnel, bien bas, sous-équipés par rapport à une équipe de Dojo qui a eu le temps de récupérer ce qu'elle voulait. Une équipe qui, d'ailleurs, en grande finale, n'a perdu aucun 3v3 pur. Et je vous le dis, TSM ont beau être la plus grande équipe de tous les temps, et Al l'un des meilleurs IGL de la planète. À ce moment-là, chez TSM, personne ne sait quoi faire. La situation est désespérée, là où chez Dojo, les choses paraissent bien plus simples. Ils ont la hauteur, et n'ont plus qu'à attendre que la zone pousse TSM vers eux. Alors les équipes se regardent. They have no bang ult, they have no ult, they literally have nothing. Right, might not drop. They won't drop, they won't drop, they won't drop. Yeah, yeah, yes, but they'll third us, the team inside has to push us. They might run away, like if they're not stupid. Like we can really amp them, we have no choice but to amp them. I'm 9-0, what is our meds? 8-1. Okay. I'm 16-1. One might have just gone down. Oh, they're still up there. You don't have power, right? No, it's at 45, won't have it. Come over here, go Evan, stop punching our back. Yep. We have to kill these guys. Enemy, you're by yourself, we have open. We have nades? Yes, play. Come here, come here. Alright. Got him, shoot him, there's my kid. Where's my ult? Qui était tout seul là, il s'est fait tuer. Aïe aïe aïe. Al va rapidement réanimer Reps, tomber au sol et va surtout regarder en haut. Il sait qu'une équipe y est positionnée. Mais en plus, Dojo, il lui a dit. Non, pas Dojo. Timmy, il lui a dit. T'es tout seul, t'es exposé. Maman. Il ne craint rien de plus qu'elle ne leur tombe coach. Dessus. Ceci dit, tant qu'il reste prudent, merde, leur position est plus confortable qu'elle l'était 2 minutes plus tôt. Chez Black End, au même moment, les choses bougent aussi. La zone commence à se refermer et Strafing Flame comprend que la partie ne terminera pas sur Thunderwatch, mais juste à côté, plus au nord, dans une zone sans couverture. Pour le moment, ceci dit, l'équipe se contente de... Il va faire froid ou quoi dans cette zone? Puisqu'il n'y aura pas de couverture. Là. Ou quoi? Observez ce qui se passe à l'extérieur. Apex est probablement moins le domaine de l'action que de la réaction. Bouger, oui, mais quand il le faut. Alors Black N reste à distance et ils attendent le bon moment. C'est une question. Je peux parler ou... Excusez... Je vous ai dérangé dans votre vidéo, je suis désolée. Non, ouais... Non, pardon. On continue. On continue. Ah, c'est eux qui vont gagner là. Ils vont faire top 1. C'est eux qui vont gagner? Imagine. Imagine. Ils sont mignons. Allez-y, ouais! Ok, je vous fais l'état de la situation. La God Pose, la meilleure position, se trouve juste ici, un petit bout de terrain en hauteur, au nord de la zone. À ce stade de la partie, il n'y a plus que 2 équipes qui sont en match point, les 2 seules équipes d'ailleurs à être assez proches de la God Pose pour avoir une chance de l'occuper. L'équipe que vous voyez juste ici, SAF, étant en hauteur et ils n'ont pas forcément la vision de jeu de Black End ou de TSM. Ces derniers d'ailleurs, pendant que Black End prenait leur nouvelle position, étaient justement en train de les regarder. Ils savent donc qu'une autre équipe menace d'occuper la God Pose et veulent à tout prix les en empêcher. Le souci, ça reste SAF, en haut, qui menace de leur tomber dessus à chaque instant, voire de prendre la God Pose avant eux, d'où l'hésitation de Al, qui continue à donner des instructions à son équipe en fonction des scénarios. La grande question, c'est de savoir qui fera le premier pas, qui agira et qui réagira. Ah, c'est trop stressant votre truc là. Oh, petite pause. Ah, c'est bon. C'est quoi ce jeu de fou là?
out towards the right. We win this game by taking this. There's someone here. I don't have ultimate. Anyone have ultimate? No, I don't. I have no med kit. I'm better. I'm in better. Black Hand tombe sous les balles de TSM. Non, quel dommage, putain. Oh, non, mais c'est tellement stressant. Non, mais quand ils crient tous pour faire leur call, là, mais allô. Mais quoi? Qui viennent d'éliminer, à la suite, deux des équipes les plus effrayantes en 3v3 de cette finale, les deux seules autres équipes d'ailleurs à être en match point. Les trois Américains viennent de récupérer la meilleure position de la zone finale et peuvent, en hauteur, regarder les autres équipes s'entre-déchirer de l'autre côté. Bientôt, il ne reste plus que SAF, l'équipe qui est restée si longtemps au-dessus des têtes de TSM et qui se retrouve maintenant à devoir les affronter en 1v1. Eux, l'équipe milieu de tableau, venue du Brésil, qui doit empêcher la plus grande équipe d'Apex de tous les temps de remporter le tournoi. Là où, de l'autre côté, la dite équipe sait qu'elle doit à tout prix capitaliser sur cette situation. Ils sont les seuls à être en match point et savent que s'ils ne gagnent pas maintenant, leurs chances de remporter la partie suivante, avec encore plus d'équipes en match point, seront extrêmement faibles. Là, c'est leur moment, leur chance de prouver à tous, une bonne fois pour toutes, qu'ils sont la meilleure équipe du c'est monde. C'est bon, ils vont et gagner. Aucun autre trio ne sera jamais capable d'atteindre ce niveau de domination sur Apex. Tout se joue sur ce 1v1. On est dans un bal breton d'un seul coup, là, je sais pas ce qui se passe. Que ça peut sauver la LAN contre ces trois monstres. Les meilleurs joueurs du monde, y'a rien à dire mec, c'est un truc de fou. She wants the host as the catalyst to make a play. Starfight can play Pipe Poopers here, and TSM are gonna have to wait. He's gonna do it. Ça veut dire qu'ils ont fait 3 top 1 d'affilée là ? Non. Ah non, non, il a du cut, je crois. Wouah ! Trop fort. What the fuck ? Et à tous les gars qui ont parié sur Dojo, Black End ou Optic, je vous ai dit que TSM était la meilleure équipe de tous les temps. Bah oui, mais bon, c'est trop facile. C'est comme, tu vois, parier pour l'équipe de France en Coupe du Monde. Tu vois, trop facile. C'est évident, genre. C'est évident. Fallait pas faire les malins. Bon, plus sérieusement, bravo à TSM qui vient d'enchaîner 3 top 1 d'affilée en grande finale de LAN. Vous voyez, ils ont fait 3 top 1 d'affilée. What the fuck? Non mais pitié quoi. Sachez que ça n'arrive absolument coupe jamais. Coupe de monde, ouais, coupe de monde, ouais. Coupe de monde,
Ouais. Performance complètement lunaire, clairement du jamais vu dans un jeu aussi chaotique. Il faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps avant de regarder de l'eSport Apex, justement parce que quand j'ai commencé à m'y intéresser, il y a plus d'un an, chaque tournoi régional que je regardais semblait avoir un vainqueur différent, ce qui était pour moi la preuve qu'il était impossible de développer une scène compétitive sérieuse sur un jeu visiblement aussi aléatoire. Et depuis que je suis revenu et que je vois TSM enchaîner les victoires, je comprends que le jeu n'est en fait pas aléatoire. Ignoblement chaotique, affreusement incertain, oui, mais... C'est aussi ce qui fait sa beauté, et ça n'empêche visiblement pas TSM de dominer, eux qui deviennent finalement les numéros 1 incontestés du jeu. Je dis deviennent parce que vous ne le savez sûrement pas, mais il y a une autre équipe qui menaçait sérieusement de les remplacer, mais on va se garder ça pour une autre fois. Si vous enchaînez les vidéos sur la chaîne et que vous n'avez toujours pas pensé à vous abonner, eh ben je vous y fais penser. Le niveau de qualité sera normalement au moins maintenu, l'abonnement sera probablement rentable, je crois. Merci à Orax pour ses corrections. Si vous ne le connaissez pas, c'est un commentateur et excellent joueur d'Apex. D'ailleurs, vous l'avez entendu commenter cette finale. Il stream tous les jours sur Twitch, n'hésitez pas à aller faire un tour chez lui si vous voulez vous intéresser d'un peu plus près au jeu avec un francophone. Bon, et eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, merci pour votre soutien, je suis assez content de ce que cette chaîne est en train de devenir, et même si ça reste pour moi une activité secondaire que j'ai tendance à ne pas toujours prendre au sérieux, je suis très heureux de vous savoir toujours aussi friand des quelques vidéos qu'il m'arrive de sortir. Bon, à la prochaine. Tchuss. Trop mignon. Vraiment le boss, hein. Vraiment le boss. Vraiment le boss. Orax, imaginez, il fait autre chose, genre il se met au multigaming. Et t'as des gens qui regardent la vidéo qui sont en mode « Oh, let's go !» Il est là, il est obligé de rester sur Apex. Hein. Bon bah nice, franchement, clap clap. Hein. Et go le boss. On s'est maté les deux vidéos d'Apex et je ne me suis pas ennuyée un seul instant. C'était trop stylé. Et du coup, TSM, les deux équipes banger, quoi. Enfin, la seule équipe qui doublement banger, quoi. Incroyable. Incroyable, incroyable, hein. Putain. Sauf que TSM vaut plus rien aujourd'hui. Et All, dans la team où il est aujourd'hui, c'est pas la même du tout. Du coup, il fait quasiment plus de compète de ce genre. Ok. Bah oui, de toute façon, on se doute bien que dans ce genre d'histoire, les choses changent, hein. Les choses changent. Moi, je me demande si un jour il fera du storytelling sur Overwatch. Parce que je pense sincèrement qu'il y a des choses, vraiment beaucoup de choses à raconter. Beaucoup de choses à raconter sur Overwatch. Vraiment beaucoup de choses. Le chat info de fou. Ah, bon bah si on me ment en plus, Paul fait toutes les compètes chez Falcon. Hein. Il en a pas raté une seule. Ah oui. D'accord, ok. Ok, trop bien, trop stylé. Eh ben, GG's, messieurs, dames. GG's. Incroyable. Oh là là, quel react exceptionnel, messieurs, dames. Dynamp Destiny, ouais. Mais écoutez, après, si les gens disent Nimp, c'est compliqué, hein.